La marocaine en piaggio. Je suis à fond, croyant. Ouais, je suis là dans 30 secondes. Là, ouais, on est juste vraiment pressé, d'accord. Ouais, t'inquiète, t'es sûr, j'arrive. 30 secondes, rajoute, croyant. Il a dit, je suis vraiment pressé, croyant. Il sait pas qu'il va attendre 2 heures. C'est pas possible de réfléchir comme ça dans un moindre On va aller au hood, on va aller au hood. C'est quel hood, lequel? Je sais pas, n'importe lequel, croyant. Tu connais hood? Vas-y, ouais, je connais un hood. Ça va? C'est où le hood, croyant? À droite, y'a un hood, à droite. Ah. Y'a un mec là, on va demander. Livraison express, bonsoir. Livraison express, s'il vous plaît. À quel client suivant? Alors, c'est bien ici pour la livraison? Très bon choix, messieurs. C'est gratuit? Bah, bien sûr que non, c'est pas gratuit. Bien sûr que non, c'est pas gratuit. Bon, hop, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est pas gratuit, hop là. C'est parti, c'est parti. Tu veux manger quoi? Tu veux manger quoi? J'ai déjà pris mon petit bonus, alors c'est bon, ça. Vas-y, qu'est-ce qu'il a fallu un double burger, quoi. Allez, double burger, c'est parti, Zoé. Ouais, à mon avis, vous allez avoir du client là. Vous voulez grailler quoi, les mecs? Ouais, vas-y, je veux un burger sans pain, s'il te plaît. Fais-lui un steak, croyant. C'est un burger sans pain. Un steak? Il y en a, ils veulent des sandwichs sans viande, d'autres des sandwichs sans pain. Non, mais je comprends rien là, vraiment, hein, si, voilà, c'est pas possible. Rien, voilà, je écoutez, je suis client, je suis le roi, je veux un hamburger sans pain, putain. Fais une commande un peu gang, croyant. Fais une commande un peu gang, croyant. Je voudrais une petite salade avec un petit wrap au poulet, s'il vous plaît. Ah, ouais, c'est pas la digestion, ça. Avec quoi? Un petit wrap au poulet. Croyant, il s'est cru à l'Excelsior, là, il s'est cru. En boisson, j'ai juste une bouteille d'eau, par contre. Ah, moi, je veux un triple 6 sans fromage avec Aliton Ice Team et sans glaçon. Voilà, voilà, c'est pas mal, c'est un truc de bonhomme. Là, c'est gang, là, c'est gang. Tu prends pas de glaçon, et tu prétends mec de gang. Il y a le fromage dans le triple 6. Eh, les gars, franchement, vous êtes pas galants. Tu vois, c'est un bonhomme. Il y a des meufs là-bas, allez leur demander. Ouais, je paye leur un gars à menu, ouais, j'ai de sérieux là. Genre, elle en a rien à foutre. J'ai vu, il met ses poils. Les poils qu'il a sur son t-shirt, il les a mis dans le. Eh, meuf, non, je suis en train de me concentrer. Tu veux graille? Ouais, j'ai faim. Tu veux manger quoi? Y'a quoi? Burger, nuggets? Y'a tout en vrai, ça dépend ce que tu veux quoi. Ouais, nuggets, y'a. Vas-y, nuggets. Kafta, nuggets pour madame. Ouais. Des nuggets pour madame! Sauf curry, ouais. Et c'est pour des nuggets pour madame! Ouais, je te fais quoi, là? Des nuggets? Vas-y, nickel, parfait. Il fait des nuggets avec ses doigts là. Je vais pas les faire avec ma bouche, madame, quand même. En train d'écarteler. Voilà, les nuggets, l'arrache. Voilà, c'est parti. Voilà, nickel. Voilà, j'enlève la peau. C'est mon meilleur employé. Attends, y'a la mère qui veut venir voir le petit poussin, petite balayette. Voilà, ça fait plaisir. Meilleur employé, dis-moi. Laisse-le tranquille, ce poulet, putain. Attends. Il bouge encore, ce gars. Putain, il bouge encore, ce con. Il bouge encore. Ah, c'est pour les nuggets. Voilà. T'as trop vu de vidéos sur internet, toi. Voilà, regarde. Voilà, c'est bon, monsieur. Voilà, c'est parfait. Oh, des nouveaux clients, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Des nuggets pour madame. Eh, bonsoir, messieurs. Vous voulez manger quoi? T'as quoi à proposer? Eh, frère, j'ai tout ce que tu veux. Propose, je dispose. Incroyable. Alors, un burger, s'il te plaît. Un burger. Avec une canette. Une canette. Un burger et une canette pour monsieur, Kofta, c'est parti. Ça fera du coup 20$, s'il vous plaît. Ok, tiens. Tranquille, c'est 50$, mais tranquille, vu qu'on s'est déplacé, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est plaisir aussi. Ça fait plaisir, si tu connais pas les trucs, tu connais pas le tarot, en fait, c'est pour ça, C'est ah, juste ouais. Pour ça, ouais. Ouais, c'est surtout pour ça, à mon avis. Y'a un mec qui veut un burger, croyant, et une canette. Une burger, une canette. Ouais, c'est parti pour une burger. T'as donné un burger pour une canette, c'est parti. Bah, moi, j'en ai pas vu. T'inquiète, je le prépare, t'inquiète. Ok, merci. Je prépare les nuggets. J'espère que c'est le même poulet, parce que. Oula, on est en train de faire quoi, là. Technique ancestrale, vous inquiétez pas. Tenez, madame. Ah, c'est un renier, merci. Et voilà. Il lui casse le ça se curie, j'espère. Voilà, nickel. Ouais, j'ai tout mis. Hein. Je vais vérifier. Oh là là. Mais Roya, tu fais un kata ou bien tu fais un. Roya, quand je suis en train de faire un poulet, est-ce que tu peux me laisser avec Dom Nature? Ça marche, vas-y. Ça fait plaisir. Ah, mais il est fascinant. Vous avez une albinos avec vous? Ouais. Mais je dis pas ça. Mais lui dit pas, c'est vraiment. Lui dit pas, elle aime pas. Ouais, elle déteste. Wesh, l'albinos, bien ou quoi? Tu veux manger quoi, madame? C'est un collet de merde, on m'appelle albinos. Tu veux manger quoi? Bah, parce que t'es albinos. Je vais t'appeler comment? Je connais pas ton prénom. Je suis albinos, je suis une putain d'afro là, espèce de raison, merde. C'est quoi ton prénom? Les plus black que nous, man. White. Ah bah. Voilà le poulet wrap pour l'albinos! C'est bien beau! Ouais, c'est elle, elle s'appelle White. Moi je rigole pas. Voilà, tenez madame! Tu crois qu'on rigole? On est pas des rigolos, nous, on vient, on vend, on est sérieux. Je rigole pas, moi, je rigole pas. Je suis pas quelqu'un qui rigole. M'oblige pas à revenir avec un tank. Arrête, je vais tout arracher. Je suis folle, moi, je t'enchaîne.
Mais moi aussi, je suis un fou. Plastique, ça, c'est, enchaîne ça et je me déchaîne quand je veux. Vas-y, 1v1, ça part de là. Allez, 1v1. Je prends sa place alors. C'est qui? Allez, Richard, je te prends. Mais toi, je t'aime bien. Bon, allez, c'est parti. Allez, qui va gagner? Qui va gagner? Les paris, t'es sûr? Mets-toi en garde. Moi, je parie tout sur Henri. T'as les paris ou pas? C'est parti. Les paris, 5 Henri, putain, défonce-les, c'est pas moi, clat. Ouais, ça va, je tranquille. Ah, viens là! Elle fait le coup de la gazelle, Non, c'est un coup qui est très connu dans le monde du combat. Putain, horrible, fichier! Ouais, tu t'es bien défendu, c'est pas grave. C'est un chef kebabier, Au moins, elle a pris sa place. Non, c'est bien. Y'a du courage ici. Eh les gars, on est où en fait ici? C'est quel wood? Forum Drive. Oh la vache, et c'est la première fois que je mets les pieds ici. Hein. Ouais, ça flipper, putain. Y'a du flow. Tout est vert. Vous aimez bien le vert? Ouais. Eh, Théma, je suis venu en vert et tout pour rien pour vous. Camo militaire. Ah ouais. C'est vrai qu'il a fait un effort. Hein. Oui, ça fait quoi ici alors? Il y a un four et il fait ça... tourner quoi là? Non. Comme ça, non. Eh, nique sa mère la police, nique sa mère l'état, il faut se démerder. Hein. Ça va au moins. Tu veux un peu. Tu veux un joint? Ouais, au moins. Vas-y. Eh, tu veux des bandages? Ah oui, bisous. Vas-y, attends. Ouais, je veux bien. Merci. Tiens, je te donne bandage. Vas-y, attends, je vais te prendre un joint. Vas-y. Müller, c'était sûrement pour les réparations des voitures. Ils sont trop gentils, wesh. Kefta, tu veux tourner? Tu veux faire tourner un joint ou pas? Vas-y. Et vous faites quoi alors? Écoute, va voir les balas, ils diront ce qu'on a fait ce soir. Sérieux? Vas-y, je vais aller voir. Vas-y. Va à l'hôpital pour leur demander. Ah, va à l'hôpital. Ouh, punchline. Ah, punchline, tu l'as pas vu? Elle est venue par derrière comme un pécoré. C'est pas une punchline, c'est la vérité, hein. Faites la guerre, le tueur l'amour, les mouilles. J'adore. Je trouve pas ce genre de truc. Jure, t'as ramené des joints. C'est tout ce que t'avais là. C'est vraiment de la bonne. Mais c'est White Widow. La bonne thérapie. Essaye, tu vas voir. Voyons comment tu vas, mon petit frère. Jennifer. Ah ouais, mais là. C'était Stéphanie en culasse. Je vois trop le vert. Je vois tout en vert, sa mère. L'intégrité. L'intégrité, voilà, ça m'a désintégré sa mère. C'est le principe. C'est le principe. Ça, ça coûte combien ça? Vous la faites pousser ici? C'est là que la différence est faite. T'inquiète. Ouais, t'inquiète. Oh ouais, faites pas les mystérieux, wesh. Comme ça, j'en achète. Non, mais si tu en veux, tu me dis, moi je te dis. Vas-y, c'est quoi ton numéro? Il y a Ben qui m'a dit, apparemment, il y aura peut-être votre shop à récupérer au niveau de... J'ai une question à te poser. Je suis trop malin, là, je voulais peut-être récupérer votre shop, là. C'est trop, je suis trop malin. Vas-y, nickel, je t'envoie un message. T-suite. Vas-y. Si t'en as besoin, tu me dis le nombre et je te ferai ça. Vas-y. Tu peux le faire goûter à Kefta, s'il te plaît? Lui, c'est un gros consommateur, sa mère. Regarde, là, il en manque, là. Quand il fait comme ça, c'est qu'il en manque. Tiens, donne-lui. Kefta, viens, prends un joint, Royan. T'es en manque. Tiens. Oh, j'ai un joint. Tiens, attends, tiens, ça, c'est à cause du joint que c'est comme ça là? Ah, ça fait plaisir. Fume. Vas-y, Zermal. Attends, t'as oublié, wesh. J'ai oublié quoi? Ah oui, bah oui, la base, Royan, quand tu fais mon joint. Soit tu te poses contre le mur, soit tu croises les bras, c'est la base. C'est vrai que ça donne un air un peu plus énervé. Comme ça c'est bien. T'es mal, là, je suis bien. Attends. Bon. Oh putain, c'est ça. Fronce les sourcils. Vas-y, là, je suis énervé, là. Vas-y, photo, mon pote. Oh putain. C'est quoi la marque? C'est des Philippe Morin? T'es grité? Ouais, t'inquiète, ouais. J'ai le numéro. Si tu veux qu'on en achète, on va en acheter, quoi, t'inquiète. Vas-y, on se capte, hein. Vas-y, on se capte, les gars. Ils sont trop gentils. Philippe. Rien. Je vais voir les balas. Mais les gros là, ils sont trop gentils. Ils sont gentils, hein? Mais gros là, j'ai envie de pleurer tellement ils sont gentils. ils sont grave gentils, hein? Tu viens dans leur quartier, hein? Je suis arrivé dans leur quartier, Roya, en mode Tokyo Drift. viens, on va voir les balas, on va faire la même chose avec les balas, viens. Viens, ouais. Eh bien, on fait ça dans tous les quartiers, on va voir les réactions en fonction des quartiers. Je pense qu'on va se faire bizarrement de mon télé. Je pense, hein. Si tout se passe bien. Pourquoi il y a une voiture de... Attends, ils sont là. On est fait la même, hein. Burger Shot, bonsoir, bonjour. Burger Shot, ça fait plaisir. Les Burger Shot ouvrent ses portes. Je vais déplacer cette voiture. Wesh, c'était mon camion. Ah, d'accord. Ah, pourquoi tu voles les voitures là? Je reconnais, c'est une voiture volée ça. Bah voilà, ils volent les voitures normales. Madame, s'il vous plaît. Madame, on peut savoir pourquoi vous faites des trucs comme ça? Madame, je suis Bénise pour voler les voitures. Tu t'appelles Bénise? Bah enchanté, je m'appelle Mathieu. Et pourquoi tu voles les voitures? Elle a pas le temps là. Comment ça, elle a pas le temps? Mais on veut discuter, nous. Bah t'as dit au revoir, quoi. Non. On veut discuter, nous. En fait.
Ah ouais? Et si je fais ça, tu vas faire quoi? Là, je me mets devant. Tu vas m'écraser? Vas-y, que de la gueule, vas-y, que de la gueule, que de la gueule. On est en train de filmer, je veux le que de la gueule, que de la gueule. Vas-y, vas-y, regarde, je suis là. Je suis devant. Ah, tu vois? Ah, tu vas faire quoi? J'appelle la police. Tu vois? J'appelle la police, c'est bien. Viens, on discute un peu. Ah putain. Oh t'es mort, je coule Djibril. Attends, tentative de meurtre. Oh je coule Djibril, t'es mort. Oh t'es morte. Regarde, tentative de meurtre plus. Elle essaye de se sauver. Là c'est avec première. Vas-y roule. Pour ça c'est 50 tu sais Roya. Roule, t'es viré, vas-y roule. Tu t'appelles Bénis, t'es viré. On connaît très bien Djibril. Allez roule. Vas-y roule, sauve-toi, vas-y. Oh putain. Elle est forte aussi. Oh putain. Attends, je monte. Attends, je suis accroché à la poignée. Arrête-toi. Arrête. Mais je suis accroché à la poignée. Mais arrête. Allez, descends. Mais je te jure, je suis accroché. Ah, un accroché quand même. Je suis accroché. Tu vas me tuer. Mais je te jure, je peux pas, je suis bloqué. Viens me pousser, pousse-moi. Mais pousse-le au moins. Descends, pousse-le. Je te jure, tu dois me pousser. Je suis accroché là. Ah, tu fais un mouvement bizarre, Roya, je sais, je suis en train de zouker le allez, camion. Allez, madame Beniz. Là, je suis en train de zouker le camion. Bénis. C'est bon, j'ai le camion, c'est bon, j'ai le camion. C'est bon, j'ai le camion, frère. Je vais mourir, arrête-toi. Mais non, t'inquiète. Je vais mourir. Mais t'inquiète, Roya. On est ensemble, Roya. Mais non, Roya, t'inquiète. C'est bon là. Oui, non, je suis bien blessé. C'est bon. Voilà, nickel. Vous êtes blessé. C'est bon, je m'arrête là. Tu me suis arrêté? Putain, ça fait plaisir. Ah, t'as réussi à lui voler? J'ai 20 munitions. Oh non, cache. Oui. Salopard de Familiz de merde, on leur a volé leur voiture. C'est des Familiz de merde, Familiz, ils nous tirent dessus là. On leur a volé leur voiture. Regarde, on a une voiture des Familiz, les mecs, si vous voulez. Ces fils des pites. Ils nous ont tiré dessus, ces bouffons. On leur a dit ah ouais, on leur a pris ça. Eh ouais, vous la voulez? On vous laisse le camion. Vous la voulez? Même laisse le camion. Ouais, tu prends tout, les deux, on vous laisse les deux. Écoute, bien vu hein. Vas-y, tranquille. Eh mais les gars, si vous faites un feu d'artifice avec la voiture Familiz, vu qu'on les a baisés, y'a moyen qu'on voit le feu d'artifice ou pas? Bah vas-y, tu sais quoi, attends, bouge pas. Ça fait plaisir. Vous payez combien pour qu'on la pète la coche? Ouais, Djibril. Renez, vraiment mon camion. Ouais, écoute, ton employé là, elle m'a roulé dessus, Roya. Voilà, elle m'a roulé dessus, Roya. Moi et Kefta. Ok, mais elle, pas le camion. Rends mon camion, mais c'est le camion, Roya, qui m'a roulé dessus. Tu vas lui faire quoi, le camion, Miskin? Mais Roya, attends. Je m'éloigne, attends. Là, je suis en train de me faire braquer. Par des vagos, Roya. Quoi? Viens. T'es où? Roya, je suis au côté du cinéma, Roya. Envoie-moi une pause. Vinewood, Roya. Je suis là. Je suis là dans une minute, je les connais, les vagos. C'est bon, Roya, je l'ai roulé. Ah bien joué. Eh, on était dans le quartier Familiz et ils ont commencé à nous menacer et tout, je sais pas quoi. J'ai pris leur camion avec leur voiture, je me suis barré au calme. J'ai réfléchi vite, j'ai stressé, ils m'ont tiré dessus, je dis tu sais quoi, je vais venir ici. Bam, je me suis arrêté et tes gars ils sont venus. Ouais, hey, une histoire de fou. Wesh, c'est qui ça? C'est un wagon je crois, Roya. Hein? C'est qui dans la voiture? Bah c'est moi dans la voiture, je me suis chargé, t'as mis la rampe et tout. Ouais, j'avoue, franchement, force, t'as raison, hein. Je veux rien en faire du camion. Ah, mais non, mais le camion, tu peux le niquer, on s'en fout, hein. Ah, oui, le camion, c'est, hein, tu peux le niquer. Ou bien tu peux le garder pour toi, genre quand tu veux défoncer les flics ou quoi, tu vois, quand ils ramènent leur voiture. Après, c'est vrai que c'est compliqué à cacher, hein. Je vais pas être très discret, je veux pas continuer. Pour les descentes, ça pourrait bloquer pas mal de rues. Hein. Ah, on est d'accord. Bah là, regarde, c'est loin, c'est grand, hein. T'avais commencé là, grand, quoi. Là, on vous propose des plans, hein. Là, regarde, ce soir, tu fais une flica. Là, c'est tout. Regarde, on fait une flica. Les coachés qui sortent de la flica, ils montent dans le camion. Voilà, mais ça c'est beau ça. Oh le plan de fou. Bah donnez-moi un numéro, j'ai envie de voir ça. Eh les gars, j'ai une question. Si vous faites péter, la voiture, le camion il explose ou pas? Je pense. Là ouais. On devrait essayer. Mais si tu fais péter le camion, là ça va exploser. Attends. Moi j'ai mieux. Attends. Oh merde. Ouais, désolé. J'ai pas fait exprès. C'est à cause de mon téléphone, oh là il a glissé, laisse tomber la sécurité et tout. Oh ouais, je suis désolé. Oh putain, je l'ai fumé le skin.
Attends, je refais un test avec un petit flingue. Téma, oh là, je stresse, oh là, je stresse. Tire un coup, ton arme, elle est en rayé. Elle est en rayé, Roy, elle est en rayé. Tire d'un coup, tire un coup, c'est vrai. Ah ouais. Mais du coup, c'est quoi le. C'est quoi le dédommagement pour ça? Parce que t'as quand même blessé un Hermano là, devant chez nous. Fou. Écoute combien? Écoute Grafiel, c'est combien? Non, écoute, en vrai, je pense qu'il coûte 30 000. Attends, il s'appelle comment? Cosmo. Cosmo, C-S-C-O-S-M-E. Il y a 5 lettres. Vas-y, 5 000, c'est bon. Hein. 50 000. Bah, 2000 par lettre. Le nom de famille. Oh, ouais, c'est vrai qu'il y a un nom de famille. Cosmo, c'est Cosmo Angel Medina Garcia. Wouah, ouais, non, là, les standards, regarde. Je préfère le refumer, en vérité. En vrai, il s'appelle pas Cosmo, c'est son blase de la caille, ça. Ah ouais, elle s'appelle comment? Je paye pour elle, elle doit pas coûter cher, à mon avis. Elle s'appelle Gloria Maria de la... Je suis actuellement dans le quartier des Vagos, on faisait un petit pique-nique, il y avait plus d'éniques que de piques. Du coup, bah on attend s'il vous plaît une ambulance parce qu'il y a un monsieur qui est à terre là. Ok, est-ce que vous pouvez faire un appel Ouais, bien sûr, avec le plus grand des plaisirs. Oh, ils sont rapides. Tiens, j'ai ça sur moi, regarde, c'est bon. Oh, vas-y, c'est con, moi c'est pas grave. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon, non? En plus, il est pieds nus, wesh. Viens, Rocco, non. Viens, on en m'attarde plus. Viens, on laisse tirer sur quelques hermanos. Viens, te tire dessus à toi comme ça. Dites-moi, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est moi qui ai fait l'appel. D'accord. Alors, du coup. Il y a un Chico, il est passé en coaché. C'est une très bonne question, hein. Ah oui. Je pense, à mon avis, c'est les families. Hein. Je dis ça, je dis rien. D'accord. En gros, il s'est fait renverser, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Eh, les gars, on rafale quand la voiture, on la rafale quand? Les gars, on la rafale quand la voiture, de quoi? Là, c'est le bon moment, là. Je pense c'est le bon moment, là. Moi, le camion, c'est le bon moment, là. En vérité, c'est le bon moment. Je peux faire péter ou pas? C'est bon ou le camion il avance tout seul? Oh sa mère, ça va péter. Chico, tu vois la roue arrière ou pas? Tu tires juste avant et ça met directement feu avec une balle. Oh, mais comment tu sais ça toi? Bah, parce qu'on brûle tout le temps des voitures. Mais t'es un tueur toi! Ouais. En plus, le feu il est jaune comme les wagons, j'adore. Bon, t'en es pas un peu con de faire péter ça devant chez nous? Ah, tapez la pause. Oh, non, on sent qu'il y a une guerre dans votre barrio et tout, c'est déjà genre ouais. Là ça fait hood là. Alors c'était trop propre. World Adventure c'est tranquille, vous savez. Mais non, justement, faut pas que ce soit tranquille, croyant. Faut que ce soit le zizbel comme on dit, faut que ce soit le chnez. Bah non, on a le modèle qui vit ici. Eh les mecs, les familles là, ils m'ont passé un joint là, il s'appelle Tégrité là, il pue sa mère. Vous avez pas quelque chose de mieux? Tu veux de la Mario? Ah merde, j'ai plus de la Mario. Moi j'ai un Zoubidou, ça s'appelle Zoubidou chez nous. Zoubidou, oh ouais, avec le nom, Roya. Tu veux goûter? Attends, Zoubidou, Roya. Ouais, ça fait les Zoubidou. Ah ouais, incroyable. Tiens, goûte le Zoubidou. Préfère mexicaine, cultivée avec mes propres petites mimines. Ah, bismillah. Oh, sa mère. Et c'est du jeune crème, monsieur. Je crois qu'il y a un hélico. Ah, voilà. Les gars, je crois qu'il y a des problèmes au-dessus. Oh merde! Venez leur tirer dessus! Non, leur tire dessus, vous êtes prêts? Venez de ma mère, leur tire dessus, je m'en bats les couilles! Je m'en bats les couilles! Je suis un vagos maintenant! Courez! Kefta, viens! Regarde! Même cagoule! On va pas tirer comme ça! Je pense qu'on est caché là. Moi je pense qu'il nous a clairement vu, Royan. Ouais, mais bon, non, je pense. Oh putain, cours! T'as une tenue de plongée ou pas, Roya? Sûr que non! Eh bah dommage, moi j'en ai une! Salam alaikum! Viens, on nage! Albatin! Aïe, bleu! T'inquiète, Roya, t'inquiète. On est ensemble. Lui, il est dans la merde, lui. On est ensemble, Roya, t'inquiète. Ouais, Kifta, je suis sous l'eau, là. Ça va, toi, tranquille? Moi je suis bientôt mort. Alhamdoulilah, tu fais quoi là? T'es où? Moi je suis mort, hein, qu'est-ce que je te dis? Attends. Roya, t'as pas tiré, t'as rien fait, toi. Pourquoi t'as couru? Parce que j'ai une arme! T'as quoi comme arme? Ben. Glock? Un des rigoles? C'est bon, je t'en rachète un, ouais, j'arrête de flipper, putain. C'est quoi le rapport avec flipper? Putain, non, mais tu flippes la police, Roya! Eh, Roya, on va t'acheter une tenue de plongée, Roya, après. Vas-y. T'es où là? Mais ils sont là! Mais Roya, on est ensemble! Bah, laisse-toi attraper, Roya, c'est pas grave. Vas-y, je coupe, Roya, bon courage!
comme ça l'hélicoptère il escape tranquille. Rennes, tu m'as mis dans la merde, Mathieu Rennes. J'ai tiré sur l'hélicoptère, ouais, t'inquiète. Mathieu Rennes. Oh, espèce de chien, va, vas-y, balance-moi. Sale bâtard, va. Mathieu Rennes, regarde, t'es où? Je viens de chercher, René, t'es où? Voilà, je t'envoie la pause. Y'a une policière derrière moi, là, je trouve bien la fête de la danse synchronisée, c'est pas possible. Ah, t'es en train de nager là? Ouais. Ah, je peux pas venir chercher. Y'a une policière à 2 mètres, Roya, juste là, là. Bah, négocie avec elle, Roya, négocie avec elle. Ok, madame, je vous donne la personne qui a fait le truc, moi j'ai rien fait. Sale bâtard, va. J'ai rien fait. C'est pas moi, c'est de la Vélardière, et là j'ai ça, madame. Kefta, c'est ta bonne conscience qui te parle. Bah, laisse-toi attraper par la police. D'accord, c'est ma bonne conscience. Attends, ils sont deux. Oh, vas-y. Ah, mais vous étiez deux en plus. Bah oui. Eh Ben Affleck, je vais tout balancer. Tout ça parce qu'il est arabe. Je lui ai dit, on a un sergent chef arabe, bordel. Oui, mais on les connaît, les sergents. Non, mais lâche-le. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Non, mais vas-y. Je les aime bien. Je les aime bien. C'est bon, désolé. Non, mais vas-y, je te coupe. Regarde. Parce que je suis arabe, c'est ça? Non, Ben Barak. Écoute-moi. Je t'écoute. C'est pas ta bonne conscience qui te parle. Ben Barak, lâche-moi, laisse-moi partir. C'est ta bonne conscience qui te parle. Rappelle-toi de l'attentat. Ouais, bon, monsieur, on va vous arrêter. Enfin, on va vous libérer, d'accord? D'accord. J'ai la même conscience que toi, Ben Barak, je crois. Quel attentat? Non, rien, vous inquiétez pas. Enlevez votre masque, s'il vous plaît. Ah, Ben Barak, je t'ai même pas reconnu! Putain de merde, il y a toujours le même tatouage sur la joue en plus. Non, mais. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien fait! T'as fait quoi? Dis-moi la vérité, t'as fait quoi? Je te jure que. Regarde, une voiture a tiré sur l'hélicoptère, à une personne, et je te jure que c'est pas moi. Pourquoi t'as fui du coup? Parce que je suis arabe. 22-33. C'est pas un argument très valable ça. Oh, ça aussi, si, c'est très valable. Ah non, moi, je reviens, je regarde BFM tous les jours, ça me fait peur. Hein. Ok, donnez-moi une bonne raison de vous libérer. T'es marocain. Je suis marocain. Les faits reprochés pour monsieur, c'est... Non. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, allez, dites-moi la vérité, c'était qui les vagos qui ont tiré sur l'hélicoptère et... C'est Mathieu Rennes qui a tiré. Fils de pute. C'est ta bonne conscience, fils de pute. Je bien ta bonne conscience, fils de pute. Ben Barak, je te jure, c'est Mathieu Rennes. Allez, viens, Kefta, viens. Rien fait, moi. Voilà, au poste, on va juste prendre ton identité, on va te dire. Vas-y, ça va. Laisse-moi conduire. Ma bonne conscience, elle est bizarre, toi, aujourd'hui, hein. Regarde. Ouais, je suis énervé aujourd'hui, oula. Wesh, les mecs. Aha! Wesh, Kefta! Ah, ça va, Rennes! Tu fais quoi là? Bah, ils m'ont attrapé quand y'a quelqu'un qui a tiré dessus! Putain! D'ailleurs, monsieur Rennes! Ouais? Vous pouvez monter dans le véhicule également, s'il vous plaît? Bien sûr, je me mets dans le coffre! Ouais, allez-y! Vas-y! Montez devant! Je suis dans le véhicule! Sérieux? Monte devant! Ouais, tu sais, allez, montez! On voit pas, apparemment, oui, en double nationalité, j'ai pas trop compris, je dis vas-y! Attends, je peux juste boire vite fait? Oui, allez-y. Vas-y. Ouais. Mais je peux pas, j'arrive pas à boire quand vous roulez là. Ouais, allez-y. Hop. Voilà. Hop là. Vous voulez boire quelque chose, vous? Non, ça va aller. Okay. Ça va aller, merci. Ça marche. Allez, tout le monde sort! Tout le monde sort! Vous jetez vos putains d'armes! Vous reculez derrière le camion bleu! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Eh ouais, je suis un fou! Eh ouais, je suis un déglingo! Oh, vous regardez, putain. Vous comptez jusqu'à 150, dépêchez-vous. Je suis menotté. Bah c'est ton problème, Royal. Mais non, mais pourquoi? Putain, Royal, là on est recherché, c'est mort. Je suis menotté. On est baisé, Royal. Mais oh, je connais des mecs qui ont des pinces, Royal. Royal, ils t'ont pas menotté, ils t'ont dit vas-y, monte. Ouais, ils ont trop pas fouillé, confiance. Pas menotté. Royal, j'avais une calache et tout, Royal. Tu vois, je suis pas un bâtard, tu vois. Mais Roya, mais jamais de la vie je te balance, t'as un fan de Simon, dis quoi? Ils t'ont dit quoi? Et Roya, ils m'ont regardé dans les yeux. Et ils m'ont dit, c'était qui? J'ai dit, c'est les Vagos. Oh, sérieux? J'ai dit, c'est Emilio. T'es un frère, ouais, t'es un frère. Roya, jamais de la vie. T'es un frère, Roya, t'es un frère. Moi, de la vie, jamais de la vie. Le grand braqueur de la ville, je vais balance, Michel. Jamais de la vie, tu vas balance, wesh. Vas-y, attends, Roya, je vais regarder s'il y a de la place dans le truc. Et je t'ouvre la porte. Tu te fous de ma gueule, toi! Tu te fous de ma gueule!
qu'est-ce qu'il y a, Roya? Je sais que t'es une putain de pookie, Roya. Roya, vas-y, dis Oula, vas-y, dis Oula. Non, c'est pas bien de durer. Ah, j'avoue, tu gagnes un point, Roya. Mais imagine, imagine, je tire sur le réservoir, Roya. Imagine. Oh. Imagine. Oh, ouais, mais. Regarde, bah... attends, on fait un test, on fait un test, on fait un test. Oh, y'a de l'essence. J'ai entendu le floc. Regarde ce que je vais faire. Non, non, Roya. Je tire comme ça. Non. Je rentre dans le garage. Je ressors, y'a plus personne, Roya, d'accord? Vas-y. J'attends un peu. J'attends un petit peu. Alors, moi, c'est bon là. 1, 2, 3. Ah ouais, c'est radical, hein. Ah ouais, c'est radical, sa mère. On va attendre que ça se calme un peu. Et j'ai appelé l'ambulance. Enfin, l'ambulance, elle arrive, quoi. Oh non, rappelle les dealers, c'est bon. Mais je suis menotté, vas-y, rappelle-les. Oh merde, t'es menotté, Roya? Oui, je suis menotté. Comment on fait? Dépense, t'as dit, tu connais quelqu'un qui a dépense. Oh, mais c'est un mensonge, ça, Roya. C'est pas vrai? Bah non, attends, je vais appeler, t'inquiète, j'appelle mes contacts, t'inquiète, Roya. J'ai des contacts, Roya. Allô? Ouais, Akuma, ça va? Ouais, dis-moi. Grande urgence, est-ce que tu connais un mec qui vend des pinces pour ouvrir des menottes? Je crois que j'en ai peut-être une dans le quartier, moi. Dioula. Okay. Je crois, oui. Tu peux vérifier, s'il te plaît, et tu me rappelles? Vas-y, suis ça tout de suite. Vas-y. Mais tu sais qu'on est dans la merde, là, Roya. Que j'en ai à foutre, Roya, j'en ai rien, je leur pisse dessus, moi, les flics. Tu sais qu'ils ont tué mon oncle, Roya, je m'en bats les couilles. Ouais, et moi, je suis devenu un déglingo, Roya. C'est vrai, il se fait mal à la Je suis devenu, Roya, un baiser. Tu vois les poissons, là, Roya, je les pêche à la calache, Roya, j'en ai rien à foutre. Ah mais Roya, c'est peut-être pas la vengeance que ton tonton il aurait voulu, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Roya, tonton, Roya, il était en train de défoncer tout le monde dans la prison, bien sûr qu'il voulait ça. Ah mais c'est peut-être pas ce qu'il voulait au fond de lui, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Non, je vois pas ce que tu veux dire, là tu commences à me casser les couilles, là je vais te rafale, je crois. Non, c'est bon, c'est clairement ce qu'il mérite, on sait pas. Ouais, c'est chiant. Hey, il mérite, je te jure, il mérite, tu les vois comme ça, mais il mérite de fou. Écoute, Bumpy, non. T'es un bon petit gars. T'es un bon petit gars, Roya. Ouais, mais quoi? Je vais pas te tuer tout de suite. Bambi, non, je vais attendre un peu. C'est un tuer, t'es pas un câble encore, Roya. Roya, t'as oublié qu'on était la mafia marocaine, Roya, ou quoi? Eh ouais, Bambi, nous, on est le mgharba, la mafia mgharibia, Roya. La mafia, Roya. Ah, putain. Ah, il me rappelle. Ouais, allô, Akuma? Moshi. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai une pince dans le coffre, là. Oh, tu gères. Viens, donne-toi tout de suite. J'arrive. Par combien de temps? Parce que c'est urgent, là, parce que. Un japonais qui s'appelle Kumba? J'arrive. C'est bon, viens, Roya, on sort, comme si... Attends. Je change tes habits, vas-y, change. Vas-y. Et je t'enlève ton pantalon, Roya. Eh, tu sais quoi, je peux plus rien faire, Roya. Écoute-moi bien, Roya. Ce que tu dis n'a pas de sens, j'enlève tes vêtements, démire-toi. Ce que tu me racontes n'a pas de sens, Roya. Comment ça, tu peux rien faire? Mais... T'es bizarre comme mec, Wallah. Chauve, Lascar. Lascar qui vient juste de braquer la police. Ah ouais, c'est vrai qu'on me reconnaît. Attends, je vais mettre un masque. Mais Roya, faut une tenue de la mafia marocaine, Roya. Mais rien dit la tenue, Roya, chauffe. Ah ouais. Eh ouais, Roya, on est là. J'ai tout, Roya. Chauffe. Hop là, Halloween. Voilà. T'as froid, tu viens gîner. Oh là, bismillah. Non, mais c'est fait exprès la veste trouée pour la mafia marocaine, ça va. Ah, Roya, j'ai la musculation, Roya. La musculation. Vas-y, Roya, on y va. Vas-y, mais discret. Mais en fait, tu t'attrapes derrière, c'est pour ça, tu vois. Prends ça cuit. Tu vois, c'est pour pas tomber, tu vois. C'est pas des menottes, c'est pas des menottes, Roya. La marocaine en piaggio. Je suis à fond, Roya. C'est bien, là. Ouais, je suis là dans 30 secondes. Là, ouais, on est discret. Je suis vraiment pressé, d'accord. Ouais, t'inquiète, tout de suite, j'arrive. 30 secondes, rajoute, Roya. Il a dit, je suis vraiment pressé, Roya. Il sait pas qu'il va attendre 2 heures. Tu sais que l'image n'a aucun sens. Devant, t'as une citrouille en costard. Derrière, t'as un mec en claquette qui me notait. Ça va, Kumba? C'est lui. Il est menotté. Comment il s'est retrouvé comme ça? C'est que. Longue histoire, Roya. Franchement, longue histoire. T'as pas le temps. Pourquoi t'as. C'est ok. Vas-y, super bonne question. Ça va, tranquille. Oh, t'es le boss. Ah, ça fait plaisir. Tu les trouves où? Tu les achètes où? Tu veux, je peux t'en fournir. Vas-y. Bah écoute, tu me dis quand t'en as besoin et je te ramènerai un stock, ok? Bah plus tard alors, d'ici une demi-heure, d'accord? Vas-y, j'en veux 10. Ok, je dirai prêt à ce moment-là. Je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe. Ok, ça marche. Vas-y, tu gères, et merci. Hein. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y, on repart avec le bolide, nous. Oui, tu m'en dois une.
Comme ça, je t'endoigne, wesh, sale bâtard, wesh. Ouais, il a juste enlevé des menottes, ouais, je m'endoigne. Il, mais... voilà, il a ouais, fait passe-partout, wesh, tranquille. Il a cru que c'était Pablo Escobar, c'est un flèche, là. Fou, quoi, là. Oh, la voiture. Oh, Hagar. Viens, discret. On essaye de savoir, vas-y. C'est discret. Ah, j'essaye de savoir. Chopez le mec, putain. Tiens, le gars. Salut papy, ça va papy? Oh bah comment ça va mon petit? Mais attends, il court où là les mecs? Je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est fait voler la voiture, je sais pas. Quoi? Bah attends, mais qui fait ça wesh? Bah ils sentent rien du tout. Eh franchement, les gens ici c'est des fils des pitchs, ils commencent vraiment à me dégoûter de pire en pire, hein, je te jure. Ça va ta papy? Dis donc. Ah bah moi ça va super mon petit, et toi? Qu'est-ce que tu moi? Je suis un peu énervé en ce moment, j'ai un peu les nerfs tendus, mais tranquille. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a des gens qui sont attaqués à mon burger shot, tu sais, ils sont attaqués à mon restaurant. Et ça m'énerve, quoi, tu vois, j'arrive pas à deviner c'est qui et tout. Tu peux pas mener une enquête à ma place? Mais tu sais, c'est moi qui ai fait l'article là quand le burger shot a été vandalisé. Ouais, écoute, je sais que c'est les Japonais, tu vois. Mais les Japonais, ils m'ont dit que c'est quelqu'un qui les a payés pour faire ça. Je sais qu'ils sont attaqués. Parce que moi j'avais dit à la patronne que je pouvais gratuitement faire un article sur la suite, voir comment qui c'est, quoi. Okay. Parce qu'au début, elle m'avait payé pour voir faire passer un message. Attends, c'est moi le patron, hein. Elle est responsable. Hein. Ah, bon bah d'accord, excuse-moi mon petit, non, c'est toi le patron. Papi, et donc oui, donc bref, tu saches que je vais faire un article là-dessus, c'est gratuit. Écoute. C'est juste pour informer. Ouais, je t'écoute. Non, il n'y a pas de gratuit, écoute, tu te glisses un petit billet sous la table, comme ça tu fais une enquête ni vu ni connue. Tu caches ton badge Within News et tu vas mener l'enquête toi-même. Et je te fais un petit billet si tu sais qui était derrière tout ça, quoi. D'accord, intéressant. Et papy Oji, oui, mon petit. T'arrives à me faire un truc sur le Burger Shot? Je vais les allumer. Attends, déjà, je suis en train de lui parler. Pourquoi tu me coupes la parole, là? Je suis désolé, excusez-moi, monsieur. Je ne voulais pas vous déranger. Comment ça, tu veux les allumer? Tu vas allumer qui? Et tu sais ce qu'ils ont voulu faire, là? Mais tu cherches quoi? Non, dis-moi. J'étais tranquillement, enfin j'ai demandé un menu, et il y a un gars là-bas, j'ai eu un petit problème avec lui, je l'ai tapé, tu vois, parce qu'il m'a sorti un couteau et tout. Quoi? Qui a fait ça? Ouais, un Curtis. Et en mode, okay. Et du coup, je lui ai cassé la gueule plus tard et tout, et normal. Là j'arrive au Burger Shot, j'entends quoi dans la cuisine? J'entends, ouais non, vas-y, je vais pisser dans son verre et tout, on passe aux toilettes. Je suis avec Papi Oji, après on va dans les toilettes, on les voit là-bas, et je dis ah c'est comme ça et tout, nanana, et voilà. Vas-y, c'est bon, moi tu sais quoi, je suis le PDG du Burger Shot, tu vois. Mais ah ouais, pour la gêne occasionnée, t'inquiète, ça reste entre nous, Roya, on est là. Okay. Ah ouais, là, ok, là on parle, là c'est bon, là je vais rien faire. Là on est bien, là. C'est que je vais rien dire, là tu sais de me parler, toi. Ouais, ouais. C'est quoi ton nom? Moi, t'es de la Rafale. Mais Roya, on s'est déjà vu, wesh, t'es de la Rafale, oui. Tu travailles au Beniz? Ouais, c'est toi Mathieu. Ben oui, c'est moi Mathieu, wesh. Mais ouais, tu connais Dédé Larafale. Tu fais l'ancien comme ça? Mais non, t'as vu, c'est pour faire peur aux gens, t'as vu. Ah, ok. Ouais, comme ça, t'as vu, ça fait respecter. Ah, là t'es un voyou et tout. Ouais. Du coup, papy, c'est bon pour toi? Et moi, c'est bon pour moi. Y a vas-y. Pas de soucis. Bah, non, t'as mon numéro? Que t'as mon numéro. Bah, oui, moi, je l'ai, moi. Ah, attends, je t'envoie un message. Envoie un petit smes, s'il te plaît, mon petit. Mais ça va pas du tout de voler la voiture de ça la patronne. Ça va, non. C'est pas pitié. Non. Ah, voilà, c'est même pas la voiture du monsieur? Je crois que non, c'est la femme de la Jean Simon. Non, en fait, papy, écoute, on a eu des problèmes avec les vacos. Les vacos, c'est fils des putes. Et du coup, depuis, bah, Kufta, il a un problème avec le jaune. Dès qu'il voit une j'ai voiture, un problème avec jaune, tout ce qui est jaune. Ouais, tout ce qui est jaune. Bon, mon petit PDG, là, c'est comment ton nom? Je pensais que tu m'as dit un truc de fou, papy. Je pensais qu'il allait enlever la dernière lettre. Oh putain! Oh, tu m'as fait stresser d'un coup! Ah, Akuma, il m'appelle. Ah, regarde. Kekumba? Ouais, Akuma, je t'écoute. Ouais, Moshi, t'arrives quoi? Ah, c'est ma voix de business, Roya. Ça fait peur. Ouais, j'y sais, ouais. Ok, bon, écoute, j'ai tes 10 pinces là. Oh, t'as 10 pinces, vas-y, ça marche. Je t'envoie une pause? Ouais, vas-y, on va une pause, arrive tout de suite, d'accord? Roya? Ouais. J'ai une pause business. Une pause business? Ah, tu t'arrêtes pour réfléchir à ce que tu vas faire dans le business? Non, pour chercher la pause, Roya. Un truc tout près au centre-ville. Ouais. Là, on est bien, Roya. Là, on est tranquille. J'envoie la pause à Akuma, Roya. Pour des pinces? Ah oui, Roya, on est jamais trop prudent, Roya. Skin, il va faire 12 trajets. On vend 10 pinces, Skin. Ah ouais. Roya, on est quand même recherché par la police, Roya. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Techniquement, ouais, c'est vrai. Quand même, Roya, on n'est pas des mecs lambda. Là, je trouve que c'est un coin tranquille, Roya, j'aime bien, tu vois. C'est la campagne, c'est l'esprit bucolique, ouais, tu vois. C'est l'esprit alcoolique un peu, ça fait plaisir. C'est super aussi un peu alcoolique, c'est vrai. Oh sa mère. Oh merde, c'est bon, je pense que tu vas trouver une solution quoi qu'elle arrive. Non, ouais, ça passe comme ça. Ça t'aide. Ouais, t'inquiète. Ouais, allô, Roya. Dis-moi, tes rendez-vous, tu fais exprès ou c'est comment là? Roya, quand tu m'as appelé, j'étais dans le Nord, Roya, un deal business.
Vas-y, vas-y, j'arrive, je connais raccourci, t'inquiète. Enfoiré. Non, 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 non. Prends ta moto et je... qu'elle touche bien le bitume, frère. Oh, t'inquiète, elle a bien touché, t'inquiète. Vas-y, j'arrive. C'est qui? Salam, frère. Alors, what did you expect? J'espère que t'avais un code promo pour lui. Hein. Non, mais c'est un tank en mousse, regarde, il fait comme ça d'un Hussein. Jamais... C'est encore jamais. Parce que les pinces en ce moment, c'est pas donné, quoi. Donc on sait jamais s'il y a quelque chose derrière. Je suis d'accord. En 2000$. Seulement. Tiens, regarde, avec plaisir. Pas de soucis. Dis-moi. Tu fais quoi là? Tu vas faire quoi? Ah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent notre peau, tu vois. Donc ça va juste déjà pas me faire soulever pour commencer, votre t'as peau. Vu. Ouais. Roya, vous êtes pâle, qui veut être pâle, Roya? Je comprends pas ce que tu me racontes là. Bah, va demander à tous ceux qui sont sur notre dos, tu sais. Écoute, ouais, il y a plein de monde. Vraiment plein de monde. Ouais. Les familles, ils vendent de la weed, les vagos aussi. Toi, tu vends quoi, Roya? C'est quoi ton business? Moi, je vends des enfants, moi. Wesh, t'es sérieux? Wow. Wesh, vas-y, fais tourner. Comment ça, des enfants? Ils font des chaussures. Des enfants qui parlent et tout? Non, ils font des chaussures pour toi si tu veux. Ah, ça va alors. En fait, tu vois, je te ramène. Eh, voilà, parle bien! Voilà, parle bien! Tu vas non, mais c'était un cosplay, c'était un cosplay. Ah ouais? Wesh, Dr. Dre, c'est bon quoi? Eh, ça fait grave plaisir! Ça fait plaisir, hein, Dr. Dre, on aime bien ce que tu fais, vraiment. C'est stylé. Oh, c'est grave stylé, hein, Dr. Dre, voilà. Ah, du coup, alors, vous vendez quoi? Pour l'instant, de la Midori. Du riz? De la Midori. Comme dans... Midori. Fais tourner. J'en ai pas sur moi. Mais c'est quoi? Tu m'avais dit, j'aurais ramené. Bah, viens à Downtown et tu viendras goûter. Avec ça? Je sais pas si je passe la douane. Sincèrement, je pense que si tu viens avec ça, tu vas m'attirer des problèmes. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de m'attirer des problèmes. Mais je te le vends, Roya, si tu veux. Ah ouais, fais-moi un prix. T'as le permis? Je vais prendre en photo. Vas-y. Kefta, bouge. C'est des preuves. Y'a. Y'a un bunker. C'est à toi? Ça va, heureusement c'est du carton, wesh. Heureusement il a dit c'est en carton. Mais il est dangereux, oula. Même avec un tank en carton, il aurait fait exploser, wesh. Kefta, t'es où? Oh, la voiture! La moto! Eh, tu connais pas un bon taxi, Roya? Il prend des raccourcis rapides, t'es 11 km en une seconde. Attends, ma moto, elle est où? Mais il est où, Kefta? Oh, tu casses les couilles, toi, putain. Non, mais ça... C'est... Ça va pas? Ben ouais, Roya, mais on va faire comment pour rentrer maintenant? Ben on va braquer des vieux sur l'autoroute? Putain, bah vas-y, hein, let's go. Vas-y, go. Ma moto, elle était en bon état, j'ai de la chance. Avec un pneu au moins? Où tu vois un pneu au moins? Non, il manque un pneu, Roya, là, il y a un problème. Ah, Roya, je te jure, il manque un pneu, tu veux que je prenne une photo, tu vas voir? Ouais, on voit, prends une photo, tu vas voir. Bon, bref, je te laisse. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis un coup. Bah, j'ai besoin d'une voiture là, Roya. Envoie une voiture. Mais t'as cru que je construisais des voitures comme ça? Mais Roya, t'es chinois, wesh, tu fabriques tout? Non, c'est pas chinois, c'est les japonais. Ah, vas-y, allez. T'as capté, Roya? C'est Madakaye, c'est ça? Ah, voilà, c'est ça. Vous direz à votre pote là, celui qui fait que passer dire Madakaye, qui se calme un peu. C'est qui celui-là? On a pas de pote, nous, Roya, on est solo, on est la mafia marocaine, Roya. Non, c'est la mafia marocaine, Roya. Qui était avec toi la dernière fois, le mec avec les cheveux roses? Roya, je traîne avec personne, je sais pas que tu parles, Roya. Ok, bon, l'année prochaine. Vas-y. L'année prochaine. Vas-y, on l'articule pas en fait. Putain, on fait comment pour rentrer? Attends, hé. Ah non, on va braquer. S'il y a un taxi, Roya, qui répond, je lui donne 2000$. Sérieux? Bien sûr, Roya. 10 000. 10 000? Ils répondent jamais, les taxis, Roya. Vas-y. Ils répondent, les taxis, ou pas, vraiment? Les taxis, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute, monsieur. Vous venez de gagner 10 000 dollars, monsieur. Sérieusement? Sérieusement, vous venez de gagner 10 000 dollars, ouais. Ok. Je vous envoie une pause, il faudra venir nous chercher, s'il vous plaît. D'accord. A tout de suite. Je suis dégoûté, frère. Sérieux, il a répondu? Voilà, il a répondu direct. Hey, le taxi, bonsoir. Roya, il a gagné 10 000 dollars. En deux ans que je suis là, ils ont jamais répondu, Roya. Il a répondu direct. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur le taxi. C'est nous qui avons appelé. C'est nous qu'on a appelé T-Sweet. Grimpez. Alors déjà, vous avez gagné 10 000 dollars, déjà d'entrée. Pour commencer, de une. Voilà. Et on voudrait aller dans le sud, s'il vous plaît, à Los Santos. Eh ben c'est parti, mettez-moi une petite position sur le GPS et je vous y emmène. Bien sûr, alors moi, position, j'aime bien la levrette, en vérité. C'est pas...
T'en penses quoi, t'es cafetard, c'est quoi ta position préférée, toi? Elle est bizarre, ta question. Et Roya, il rentre dans l'intimité des gens, il a droit, comme ça... Mais on... non, mais l'intimité des gens, c'est intime, Roya. Ben oui, mais après, Roya, il a quand même gagné 10 000 dollars, donc il a droit, de... il fait ce qu'il veut, c'est le roi du monde. Mais quel est le rapport avec la levrette? Ben la position, Roya, il veut qu'on lui donne une position. Donc mais moi, non, il a pas dit ça, t'es bête. Et il parle pas d'une position de hum-hum. Ben, position de quoi, Roya? Il parle d'une position d'un jeu pesseux. Ah, une adresse. Mais oui. Oh, putain, tu m'as fait flipper. Oui, c'est pour ça, en fait. T'as, t'avais pas compris, vas-y, c'est pour vas-y, ça. Vas-y. On va aller voir les pites, hein, je crois. Hein. Attends, c'est verrou, ça. Ouais. Tu veux venir avec nous, messieurs? On va voir les pites. Ah, malheureusement, je travaille, monsieur. Non, tu vas venir avec nous, t'inquiète. Mais bon, tu t'es fait 10 000 dollars t'inquiète. À course. Tu peux bien accéder au bonheur. De toute façon, je dois retirer là-bas, donc on va y aller, quoi. Il y a, un distributeur dedans. Ça ira. T'as du café dans la voiture? Bien sûr, monsieur, j'ai du café dans la voiture. Mais t'es... ouais, non, mais le café des taxis, regarde, il est secoué et tout, laisse tomber, j'aime pas. Ah ouais, moi, j'aime bien les cafés neutres, tu vois, qui bougent pas, ma stable. Et là, pas, et là, ouais, pas. Vous vous appelez comment, monsieur? Arco, monsieur. Hein? Narco. Narco? Marco, ouais, c'est ça. Ah, Marco. Narcos. Narco ou Marco? Narco ou Marco? Ah, M comme Mathieu. Un M comme Mathieu. C'est ça? M comme Mosrot. Ok, ok. Et entre nous? M comme semaine. Entre nous. Taxi, ça rapporte des meufs ou pas? Ça dépend de votre chat, je dirais. J'ai la vérité. J'ai la vérité. Vas-y, hey, la dernière meuf que t'as ken derrière, vas-y. Mais j'ai la vérité, Non mais arrête, Roya. Le code X sur la banquette arrière, Roya, on la connaît celle-là. Roya, tu crois qu'on connaît pas ou quoi? Central, code X derrière, je suis pas disponible. Je ne suis pas disponible pour le moment, un code X a été effectué incessamment sous peu. Tu sais quoi, c'est sur l'autoroute. 10 000 dollars, laisse-moi conduire, vas-y, un petit kiff. Ah non, ça par contre je peux pas. Marco, m'oblige pas à devenir méchant, tu vas relayer. Non mais si je me fais contrôler là, vraiment je prends cher. Bon vas-y, t'as un bloc sur la tête, arrête-toi, voilà, tu me casses la tête là. Ah Marco. Allez. Marco, mais toi sur le côté, arrête-toi. Ah je crois Marco, là t'es pas dans de beaux draps. Arrête-toi, wesh. Mais sérieusement Oui, sérieusement, ouais. Vas-y, sors, je t'ai dit. Voilà. Oh, c'est pas possible ça. Monte derrière. On va te faire un petit kiff là. Tu vois Marco? C'est ça. Il y a un proverbe qui dit quand t'es gentil, les gens ils t'écoutent, mais quand t'es gentil avec une arme, ils t'écoutent encore plus. Bah c'est normal, une arme ça vous déporte. Hein. Ouais, c'est que vrai. Que déporte d'ailleurs. Ça enferme d'autres. T'as pas d'arme toi? Ah non monsieur, pas dans le taxi. Comment ça pas d'arme? Dis Wallah que t'as des armes? Peut-être. Tu vends quoi, vas-y. Salut. T'es chaud. Ça dépend de ce que vous voulez. Attends. Wesh. T'es taxi, Roya, ou tu fais... Marco, qui es-tu? Qui es-tu, Marco? Qui es-tu? Hop, je te braque. Allez, hop, t'as deux armes sur toi, là. Qui es-tu, Marco? Are you? Who are they? Je suis juste quelqu'un qui essaye de s'en sortir dans Los Santos, c'est tout. Fais pas le mec mystérieux, on n'est pas dans un film, Roya. Dis la vérité. Vous voulez savoir quoi, exactement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part un taxi? T'es comme Equalizer? Taxi les jours, tu déglingues les nuits? T'es qui? Non, je vends des P7. Des PC? P7, je peux avoir des P7. C'est quoi ça, des P7? Des P7? Les petits pistolets de défense. Pourquoi tu fais le mec mystérieux alors? Et parce que ça se dit pas à tout le monde. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Comment ça s'appelle? Les pétoirs. C'est ça, exactement. Pétoirs, ok. Et comment tu te fournis et tout, comment ça fonctionne? Bah ça par contre, évite de le crier sur tous les toits. Attends, tu veux que tu fasses la spéciale ou quoi? On a ramené la casserole là, Marco, on va faire les ablutions. Oh, t'es dans la merde! Quelqu'un qui peut m'en trouver et puis après moi je les vends. Ok. Et tu travailles solo? Je travaille solo, en effet. Ça marche. Roya, je vais te poser une question. Une seule. Une seule. Moi. Une seule. Ok? Bah, c'est quelle bon, est la capitale du Brésil? C'est pas Rio, c'est. C'est pas Brasilia. Bien joué, c'est ça. C'est Brasilia. Ok, c'est bien. Tu viens d'où? Pourquoi tu fais un doigt? Pourquoi t'as fait un doigt? Pop, t'as fait un doigt là? Wesh. Ah non du tout. Mais t'as fait un doigt. Ah non. Allez, pour la peine, deuxième question. Quelle est la capitale de Yougoslavie? Par contre, je sais pas. Bonne question. C'est un pays qui n'existe plus. Question piège. Eh ouais, Rennes 300 QI. Eh ouais, mon pote. Eh ouais. Ben oui, parce que vendre des P7, ça prend beaucoup de temps. Ah sa merde. Ça fait mal. Ça va, messieurs?
Ça pourrait aller mieux. C'est qui était en tort là? C'est pas sûr. Ah, moi je suis sûr. Attends, je repose la question. C'est qui était en tort là? Qui était en tort les gars? C'est qui était en tort? Je me rappelle plus. Vous avez l'air de mieux savoir. Bah non, mais je veux une réponse claire. C'est nous apparemment. On vous excuse pour cette fois, tranquille, on vous excuse. Allez-y, faites attention, faites bonne route, hein. Pas de bêtises, hein. C'est pas les mecs du Christian Fix, ça? Si, c'est sûr. Tu vois, Marco, comment on se fait respecter dans cette putain de ville? Pour être un loup, il faut manger un loup. Ou bien l'inverse, je me rappelle plus cette merde. Bah franchement, t'es bien tombé, hein. T'aurais pu tomber sur des brigands et tout, laisse tomber. Hein. Les mecs si qui bavent pas, soir, tu vois. Je suis disponible en taxi et que vous êtes coincé dans un endroit caché et qu'il faut venir vous chercher là, ni vu ni là, connu. Bah tu vois ce que tu viens de dire là? J'aime bien. C'est vrai que c'est pas mal là ce que c'est tu viens pas mal, de dire. Ce qu'il propose, hein. Ça fait plaisir. Hein. Par là, contre, ça fait Roya, plaisir. Si tu viens nous chercher en taxi, j'aime un peu moins bien quoi. Disons que si vous êtes planqué et vous avez besoin qu'un taxi passe par là et que vous sautez dans le coffre vite fait pour repartir ni vu ni connu, ça peut se faire. J'aime bien. C'est bien, il sait parler. Il sait vendre son produit. Il sait comment mettre son produit en avant. Regarde, ça tu sais mettre en avant ou pas? Regarde. Oh merde! Oh bah non, c'est pas drôle. Vas-y Marco, viens. On va rentrer les unicorns, je vais te donner ton argent. Bonsoir messieurs, code promo Hayat. Ouais, allez-y, fouillez-moi. Bien sûr, je suis un habitué, ouais, j'étais sérieux là. Fils de pute, tu veux pas me laisser rentrer? Fils de pute, ok, je vais revenir, t'inquiète même pas. Tu vois Marco ça? Ça c'est ce qu'on appelle une recale dans le jargon. Ah oui, je vois, ouais. Et ça s'appelle un demi-tour slide, t'inquiète. C'était bien hein, c'est non, t'as bien aimé Marco? Ça fait court mais intense. Tiens, attends. J'entends comme un moteur qui vrombit. Le moteur. Comment on se retrouve? Ça va les gars? Oh, Tu sors avec une arme, mon pote. Mais putain, vous l'avez baissé. On refait A4. Vas-y, 1, 2, 3, 4. Ah, ouais, j'ai plus confiance maintenant. Ouais, non, mais c'était A4. Vas-y, sérieux. Là, A3, on le fait, pour de vrai. 1, 2, 3. Wesh, blessé. Voilà, c'est bon, parfait. Le temps d'embêter là. C'est parfait ça. Nickel. Mais vous venez faire quoi ici? Rien, bouge pas. Mais non, il la gare, il travaille ici, il va la garer. Attends Marco, tiens, je te donne ton argent. En fait, il travaille à l'unicorn. J'espère bien. D'ailleurs, de rien Marco, merci à toi. Passe-moi ton numéro Marco. Y'a pas de soucis. Elle est où la voiture? Elle est là-bas, je l'ai garée, t'inquiète. Ramène-moi là. Reçu. C'est ça ton problème Marco, c'est ça ton problème. Mais toi en fait, tu veux quoi? Mais toi, tu veux quoi? Je vais péter un câble. Je pète un câble. Dégage de là, wesh! Vas-y, Marco! On monte, vas-y! Monte-moi ce que t'as dans le ventre! Ils se sont sauvés, je suis pas sûr. Ouais, je pense, à mon avis. Marco, je vais te dire un truc, Marco. Ces mecs-là, ils ont attaqué mon restaurant, ils ont cru que j'étais une pute, d'accord? Faut pas se laisser marcher dessus dans la ville. C'est ça. Putain! Je crois qu'on a un pneu en moins, je suis pas sûr, mais. Ouais, je crois aussi, viens, on descend, regarde. De toute façon, on a peur de personne, on s'en bat les couilles. Vas-y, viens. Ils viennent, je les rafale sa mère. On a appelé un taxi et le taxi, on a niqué sa voiture. C'est vraiment. Ouais, mais il a gagné 10 000 dollars. C'est vrai. C'est-à-dire que je suis gagnant là, franchement. Ouais, je crois. Hein. Mais attends, c'est ta course la plus bénéfique, hein. C'est ton meilleur client. De toute ta vie, je crois. Exactement. Bah, Marco, appelle un taxi, non? Je crois que j'étais le seul. Ah merde. Bah, ça va, au moins c'est rentable, tu peux aller dormir tranquille là. Vas-y, Marco, on se tient au jeu. Et bah, bonne soirée à vous. Formation Usain Bolt 1, 2, 3, c'est parti! Hey, tu vois quoi comme voiture? Vas-y. Attends, je vais voir la voiture de la dame. Non, on prend pas un truc comme ça, t'es fou quoi. Faut être discret, Roya. C'est discret ça, ça c'est bien, ça va. Ça c'est bien ça. Ouais, c'est discret ça en vrai. Mais tu vois, Roya, je t'ai dit tout dans la discrétion, Roya. Wesh, m'apporte! Là, au moins, ils vont se poser aucune question sur la provenance. Bah, regarde, je suis PDG de Burger Shot, ça passe, hein, en vrai. C'est vrai. Allô? Oh, alors, Richard, c'est Mathieu Rennes. C'est qui? C'est Mathieu Rennes. Tu sais, le mec qui est venu Burger Shot tout à l'heure. Ouais, il a laissé ma voix de business, c'est pour ça. Ah, ok. Ouais, écoute, je voudrais. Ce que tu m'as passé tout à l'heure, là. Ouais, combien?
tout ce que t'as. Tout... Quoi? Je veux tout ce que t'as. Mais t'as assez? T'as combien? Attends, je vais me renseigner. Attends, je te rappelle dans deux minutes, ok? Vas-y, tranquille. Vas-y. Roya, je vais prendre tout le stock. Qu'ils ont? Sérieux? Ils ont combien? Elle-même, elle sait pas, Roya. Mais tu as perdu avec le stock? Mais moi, je sais pas, Roya. Roya, je sais pas, mais je prends des joints, Roya, je prends pas de la weed. Je prends des joints, tu vois. Ouais. Comme ça, on organise une fête. Ah, j'ai une idée. Écoute. Ce week-end, Charles, on organise une méga fête dans la villa, dans ma villa à moi. Et alors, on attends. Ramène du whisky et tout. Ce week-end, Inch'Allah, on ramène du whisky. Ouais. Attends, elle me rappelle, Roya. Ah ouais, j'écoute. Ouais, du coup, j'en ai 135 là, mais je peux t'enrouler plus si tu veux. 135? Ouais, j'en ai 135. C'est 10 dollars. C'est 10 dollars, donc ça ouais. Fait 1350. Ouais, c'est ça. C'est quoi, au pire, dans 10 minutes, tu me rappelles et puis. Vas-y, dans 10 minutes. Ok, je vais essayer de faire. Vas-y, t'inquiète, vas-y, on fait comme ça. Oh, attends, tu vas la tuner là en plus? Bien sûr, bah ouais, je t'ai sérieux, toi. Discret, Roya, faut au moins les vite teintés, Roya. Je suis pas impliqué dans leur ça va, c'est que les vite teintés. Wesh, les vagos, ça va ou quoi? Ouais, tranquille? Ouais, tranquille. Ça dit quoi alors depuis l'hélicoptère? Encore un détenteur de malade. C'est qui parle? C'est qui parle? C'est toi en plus. Vas-y, sors si t'es un homme. Ouh, il est sorti. Wesh, Jibril, ta meuf elle a couché quoi? Vas-y, moi je. Non, t'as du sang partout, Roya. Ah non, ça c'est. Ouais. Longue histoire, ouais. Longue histoire. Ah quoi? T'as retrouvé ton camion ou pas? Je me suis vite fait. Non, bah non, je sais pas où il est. Une histoire de fou, Roya. Une histoire de fou. Fallait demander à Vagos. Bah oui, fallait demander à eux, Roya. C'est vraiment un rack à derrière, j'étais où? Bon, là, c'est bon. Ah, bonjour, bonsoir, messieurs. Wan. Je vais refaire ta soirée, Roya. Je veux tout. Non, tout. Comment ça, tu veux? Je veux tout, Roya. Ouais. Attends, excuse-moi, je réponds au téléphone. Il se barre sans nous, Roya. Bah, non. Ouais, je te dérange une dernière fois. J'ai parlé un peu, je me suis concerté. Et là, pour l'instant, je t'en donne 100. On regarde si t'es fiable et tout. Et après, on voit pour plus de. Tu vois. Vas-y, ok, ça marche. Pas de soucis. Bah, t'es. Ou enfin quand tu veux. Là je suis au Bénis, je termine un truc, okay. Et puis je t'envoie une pause. Vas-y, envoie-moi une pause. Vas-y, on fait comme ouais. Ça, vas-y. Vas-y, allez. Wesh, Roya, on dirait, voilà, vendre des beignets, wesh. Bah ouais, au bout d'un moment, faut trouver une tenue de mafia. Ouais, Roya, tu n'arrives pas à rouler droit. Mais t'as une voix de business ou pas, toi? Ouais, j'ai une voix de business, Roya. Il sortait de la flic, hein. Wouah, flic. Ça fait une flic, là. Roya, rendez-vous derrière une flic, wesh. C'est quoi ces smells? Il a un endroit plus discret, Roya! Voilà, t'es mal, derrière la flic, hein! Ah, le parking Zama, ah ouais! Hala! Original, je l'avais jamais vu! A mon avis, c'est au dernier étage, Roya! Je suis pas sûr! Oh! Ah, mais on a rien fait techniquement, hein! Ouais, mais même, on est arabe, Roya! Ouais, putain, à chaque fois, c'est chiant ça! Même si t'as rien fait, tu stresses, ton cœur il bat et tout! C'est grave, hein! C'est pas le dernier! Ah ouais, je suis nouveau quoi. Les mecs, y'a une flic, y'a des flics partout dans le quartier. On a vu. Attends, tu viens vraiment d'arriver avec cette chope là, incroyable. Ouais, je viens de la tuner là au Bénise. Et ça va les gars, cette merde tranquillement. Ouais, tranquille. Ouais, ça coûte. Attends, j'ai ramené mon sac. Vous avez quoi? Attends, on va discuter un peu avant parce que tu nous dis. Tu comprendras qu'un mec qui nous commande autant de joints, d'un coup qui vient d'arriver à la ville apparemment, ça peut être. Ah non, je vois pas d'arriver. Elle vient d'arriver dans la ville, t'es malade toi. T'es fou, qu'est-ce que j'ai mal compris. Oh non, t'inquiète, c'est pas grave. Non, je viens pas d'arriver non. Moi je suis un vieux de la vieille, Roya. J'ai grimpé les échelons, maintenant je suis sur le toit du monde. J'ai tout fait moi avec mon oncle, Roya. L'escalator il allait en sens inverse, on a continué à courir, Roya. Pas le choix. Ok, par contre vous avez bien compris que c'est des joints, hein. Ouais. On a compris que c'est des joints. C'est okay, pour faire des petites fêtes des fois de temps en temps. Bah si on est invité carrément. Des faux. Ah ouais, toi tu vends pour être invité pour ensuite consommer. Ah ouais, t'es malin. Incroyable, ah, incroyable. This is Elon Musk. Ah ouais, c'est pas mal en vrai, c'est rentable. Ok, donc pour l'instant on peut en avoir 100. Avec un bus et tout. Ok. Mais 100, c'est ça. 100, vas-y. Pour l'instant. Ok, c'est bon. Et Ben, on peut en avoir combien ici demain, ton avis? Pour demain, je pense 500. Autant qu'ils veulent. Sérieux? Bah déjà on va distribuer ça à nos amis, voir ce qu'ils en pensent sur la plage et tout, fête foraine, tout ça, j'aime bien. Autour d'un feu. Mais attends, petite question, ouais, ça. Alors je t'arrête tout de suite. Pour non, vous, ouais. Je vends pas, t'inquiète, c'est des amis. Je leur donne. Juste, tu veux qu'ils fument quoi, c'est ça? Voilà, ils fument pour le plaisir, voilà. Ok, attends, juste les gars. Faut savoir partager dans la vie. Les mecs, vous croyez vraiment que je vais vendre de la weed alors que j'ai ça?
quand même. Ah ouais, c'est un peu... Quand même, ça serait bête, quand même, ça serait débile. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est bien, on est bien d'accord, ouais. 100 pour ce soir. Ouais, 100 pour ce soir. Demain, on vous rappellera les mecs. Vas-y, qui vient avec moi, chargé. Vas-y, moi, j'arrive. Ouais, on va y aller. Il y a la hanoche, hélicoptère et tout, là. Bon, non, mais tranquille. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Ça veut dire que vous avez kiffé, quand même, ce que je vous dis. Bah ouais, bien sûr. Bah oui, bah c'est là-bas. Eh, on est parti voir les Vagos, ils nous ont proposé. Comment il s'appelle Ouais, le Zoubidou. Éclater sa mère. Et ils ont une drogue, elle s'appelle la Zoubidou. Comment c'est la Zoubidou, c'est moi, man. Eh, qu'est-ce que tu l'auras pas dit? La voiture de... Une voiture verte dans le quartier des Vagos qu'ils ont fait péter. Ah ouais, 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 une... qui était montée dans un camion. Il y avait un camion. Vous avez quelque chose contre les... Bah, sur, les contre poussins. Les Vagos? Non. Mais moi, je déteste, moi, les poussins, wesh. Ah, on est d'accord. Une jupe jaune, c'est pour ça, tu vois. Mais non, parce que moi, je suis le guépard, en fait, mon surnom, c'est ouais, le guépard. Ouais, pourquoi jaune, là? Bah, justement, noir, noir et jaune, comme le guépard. En fait, c'est mon surnom, le guépard. C'est le guépard, genre... C'est mon nom qui m'appelait comme ça. Genre Place Vendôme et tout, quoi. En fait, soit il m'appelait le bâtard, soit le guépard. Il a fait le chat, moi, là. Moi, j'ai gardé le guépard. Quand même le guépard, quoi. Le guépard, c'est mieux que le bâtard, quoi. Ou sinon, il y avait le cafard aussi, mais bon, préféré le guépard. Vas-y, refais le guépard. Ouais. Un guépard qui est covidé là. Bah, il a le covid un peu, frère. Ah, ouais, c'est chaud. Qu'à contact et tout, frère, c'est chaud. Ouais, plus trop de souffle. Non, c'est chaud. Et vous, en ce moment, ça se passe comment dans votre quartier, dans votre hood là? Ah, il y a des fils de pute qui font les fous, quoi. Ah, mais toujours, c'est normal. Sérieux? C'est qui vos ennemis là? Tout le monde maintenant. Bah, tout le monde. Hein. Mais vraiment tout le monde, ouais. Sérieux? Tout le monde, bah ouais, c'est normal. C'est les territoires, les clients. Vous êtes équipé ou pas? Vous êtes équipé? Ouais. Je peux vous trouver du gros matos, les mecs. Ouais, du genre. Moi, Kevta, on connaît un mec qui vend des PZ, mais ça reste entre nous. Des PZ. Mais non, des PZ. Ah, ouais. Du lourd. Hein. Non, ah, mais ouais, les gars, vraiment, faut pas en parler. Faut pas que Nono il sorte sur ce business. Hein, Non, mais là c'est extrême. Tu m'intéresses. Hein. C'est de l'arme. Avec les munitions. Avec les munitions en plus. Ah ouais, avec deux en un. Non numéroté. C'est vendu avec un pack de munitions? C'est ensemble. Même c'est compris dans le pack. Même un menu Burger Shot, tu veux, gars. Pack, c'est ça. Qui sort avec qui en ce moment là? Vas-y. Dans votre famille. Dites la vérité. Non, mais dites la vérité. Bah, White, ouais, c'est ma cousine donc non. Okay, bah, pourquoi? Mais nous, au Blood, ouais. Ah ouais? Toi, tu sors avec qui? Non, personne. Non. Ah ouais, t'as hésité quand même un peu, hein? Je pense vraiment, ouais. Si on peut faire en fait, un coup, t'avais quelqu'un en tête. Que tu sors avec White, t'as voulu, c'est bon. Mais ils vont rien faire, c'est bon. Ouais, j'avoue, ouais. Tu sors avec un lapin albinos? Non, arrête, par contre. Bah, je te jure, tout à l'heure, je suis allé dans une animalerie, il y avait un lapin albinos. Mais lui dis jamais ça devant elle, mais vraiment. Oh là là. Putain, tout à l'heure, je suis parti voir un lapin albinos, Roya. Il coûtait $60. Eh, j'ai hésité à le prendre. Ah, mais fallait le prendre, hein. Ça, ouais, c'est, il va vraiment te frapper, hein. Ça coûte rien du tout, un lapin albinos. Mais je pourquoi parle pas à toi, wait. Mais déjà tout à l'heure, t'as commencé avec ça. Ouais, tu peux te poser une question, s'il te plaît? Dis-moi. Tu sors avec qui? Eh, les autres, répondez pas. Méchant. Aïcha, voilà, Aïcha, j'en étais sûr, tu vois. C'est qui Aïcha? Aïcha. Oh, ah, Aïcha, c'est qui Aïcha? Mais c'est elle. Ah ouais. Mais c'est ma sista, hein. White, je peux te dire un truc, mais ça reste vraiment entre nous, tu vois. Là, je parle doucement, ouais, d'accord? Dis-moi. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question à Aïcha, j'ai dit, tu sors avec qui? Elle a fait, oh, non, personne. Je te jure, elle a dit ça. C'est ça vrai. Reste entre non, nous. Je suis témoin. Après. Elle a soufflé, elle a fait. Elle a dit. Non, pas du tout, mais. Elle a fait genre. Franchement, elle me fait confiance. Déjà, limite, tu lui as donné un problème de maths, hein. Mais tu sais, après. Écoute, hein, après, elle m'a dit non, je sors avec personne. J'ai dit, mais tu sors avec quelqu'un. Elle m'a dit, non, mais ça compte pas, c'est une albinos, donc je réponds personne. J'étais choqué. Oh. Hey, j'étais outré, j'ai fait comme ça. Non, mais. C'est vrai. Attends, non, mais. Vas-y, relève-toi, t'as blé. Viens, c'est grave. Viens. Vas-y, ah, vas-y. Je crois que là. Vas-y, ma pote, j'y arrive. Ok, je te rappelle. Mais non, mais arrête! Mais ne me tape pas! Arrête! Je rigole! Mais j'ai pas envie de te taper! Oh là, j'ai pas envie de te taper! Non, j'ai pas envie! Non, je te jure! Je te jure, non, je tape pas les meufs! Tu vas juste attendre là, tu vas juste esquiver les meufs! Non, je te jure, je tape pas les meufs! Non, je te jure, je tape pas les meufs! Bah, je te jure, je tape les meufs! Je m'en bats les couilles! Je tape pas les meufs! Non, là, je. Voilà! Il va lui en mettre! Pas exprès! De toute façon, y'a que la vérité qui blesse, je m'en bats les couilles! Tiens, ramasse mes lunettes! Quoi? Mes lunettes là par terre! Ouais, mets-toi à terre là. Ah, c'est comme ça que, vous traitez les clients qui viennent prendre des grosses cargaisons? Ah, bah super! Attends, bouge pas, j'arrive. Non, vas-y, c'est mieux. Je sors qui? Vas-y, tiens. Il va te sortir un truc. C'est quoi que tu m'as pris? Des lunettes? Des grosses lunettes? Ouais, c'est des grosses lunettes. Celle-ci peut-on? Ouais, celle-là elle est bien. C'est parce que c'était une meuf. Non, vraiment bien.
Tu vois, c'est bien comme ça. Tiens. Ouais, vas-y. Ouais, chez Albinos, viens, tiens. Oh. Arrête de dire Albinos, putain de merde. Mais non, mais j'ai payé, maintenant le client il est roi, ouais, je t'abuse. Oh là là. Je mènerai de la comédie. Eh, mais tu tapes fort, wesh. Ouais, tu tapes fort, wesh, t'es sérieuse. Apparemment, elles ont un pouvoir décuplé, ouais. Non, les hommes qui ont un pouvoir décuplé. Ouvre ta chop là, tu veux pas que. Vas-y, j'arrive, sans Goku, tranquille. Je veux pas que je t'encule. Wesh, t'es moi. Mais y'a pas de coffre ou quoi dans ta chambre? Mais c'est devant le coffre. C'est devant, Toi t'as des réflexes de pauvre encore, putain. Ah ouais. Là y'a un bouton là, regarde ici. Ah ouais. Ben ouais. Ah d'accord. C'est ça que quand t'es pauvre, tu connais pas en fait les petits trucs comme ça. Je l'ai mis les 30 derniers dans ton coffre. Vas-y, je vérifie pas, je fais confiance de toute façon. Et les gars, et si un jour par exemple j'ai envie d'acheter directement de la weed? Ça c'est, ce sera autre chose. Genre imagine, je te dis dans 2 semaines je veux 1,5 tonne. T'as deux choses différentes, t'as les joints et t'as les pochons. Ok. C'est des pochons. Les pochons, tu connais la différence ou pas exactement? Non. Donc les joints, bah c'est pour fumer, logique. Pochons, ouais. Si t'as envie de te faire un peu arrondir les fins de mois, tu vois. Je propose ça au Yonkli dans la rue et tu fais un petit truc. Ouais, c'est pas mal ça en vrai. Vas-y, je vais faire travailler des petits à moi, ouais. Parce que moi, en fait, je vous ai pas dit, on est de la mafia marocaine. Mafia marocaine. C'est une nouvelle mafia. Ouais, putain, ouais, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, là. Et c'est quoi ce que tu as dit? C'est une nouvelle mafia qui vient de sortir, là. Ça arrive dans les bacs bientôt, la spécialité. Ah, là, on est en accès anticipé, on n'est pas encore sorti, là. Donc là, on essaie de recruter. Spécialité, regarde, tout, on fait tout. Ça arrive fort ou ah, ça arrive fort dans les bacs. Dans les bacs, franchement. VRT en masse, hein, vraiment. Soutenez. Et on accepte tout. Ah, on prend tout, on vend tout, on s'en bat les couilles. Hein. Nous, c'est système D, c'est la démerde. Hein. Je vois ça, ouais. Vous, votre business, en vrai, c'est quoi? Nous, c'est la weed. Hein. C'est tout. Mais les mecs, la mondialisation, les mecs. Braquage. Faites de l'ecstasy, faites de l'héroïne. Mais ça, c'est grand, c'est le starter pack family, si tu veux. Braquage. Banque, de tout, ouais. Un honneur, débardeur, c'est starter pack, quoi. Vas-y, ça marche. Mais c'est cool, ça, en vrai, ça fait plaisir. Mais attends, les gars, vous, à part la weed, vous vendez quoi d'autre? Dis la vérité. Un peu de coke, des fois. Rien de fou. Ah, ça, en termes d'armes, vous vendez quoi? Ah non, ça on touche pas à la vente d'armes. Quoi? Mais les gars, je connais un mec qui vend des P7, ouais, vous êtes sérieux? C'est un vendeur de taxi. Tu penses vraiment qu'on va vendre des P7, nous? Bah, tu parles des petits pétards de merde là. Ouais, mais c'est pétard. Attends, vas-y, vous avez quoi? Vous avez quoi? Vas-y, t'as quand même. Une base, je meurs quand même, t'as quoi toi? J'ai quoi? À part tes points, t'as quoi? Ah, sur moi, j'ai juste un Beretta. Oh, c'est pas mal ça. Et vous achetez où? Ah, ça. Ouais, ça, tu vois, ça commence à faire les mystérieux. Ah, ça commence à faire ça vend des tonnes, vous connaissez Crucifix ou pas, les mecs? Ouais. Kamastra, vous connaissez? Non. Bref, moi je voulais la faire courte, tu vois. Moi je tiens le Burger Shot, tu vois. Et un jour ils sont venus, ils ont menacé un de mes employés, Hamid. Ils l'ont menacé de mort, hein, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces fils des pites? C'est une mafia. Hein. Ils ont engagé un gang de jeunes japonais pour déglinguer mon restaurant. Ah, les Knoki, oui, on connaît, ouais. Ah. J'ai dû fermer pendant 24 heures, Roya. J'ai retrouvé les Japonais. Ils m'ont avoué que c'était bien Kamastra qui les avait payés. Du coup, moi, je les ai repayés le double pour défoncer le restaurant des Kamastra. Et quand je les ai convoqués dans mon bureau, les Kamastra, ils ont tout nié. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi les Kamastra? C'est une mafia, apparemment. Et, franchement, si j'étais un gangster comme vous, qu'est-ce que je fais? Moi, je le chope, je le fous dans une ruelle et avec mon canon dans la bouche. Eh, t'as entendu, capitaine? Je note bien. Donc tu mets dans une petite ruelle. Ok. Dans ruelle. Dans les yeux. Voilà. Tu sors ton fer comme ça. Vas-y, fais une démo. Fais dans la bouche comme ça, dans la bouche. Vas-y. Dans la bouche. Ah, vous, t'as payé ou pas? Voilà, tu vois. Non, mais vas-y, fais l'exemple sur Rennes. On va dire, vous êtes. Mais c'est moi, il va te le faire. Moi, je trouve que je suis un. Je t'abuse, toi. Fais-toi. Vas-y. Moi, je t'ai braque, toi, t'es un Kamastra, ok? Nouvelle mafia, Favé. Vas-y. Ouais. Oh, je suis un Kamastra. Oh là là, je suis un Kamastra. Mais ça serait pas la démarche d'un fils d'épine, là? Eh toi là, s'il te plaît. Oui monsieur, s'il vous plaît. Comment ça va? Dis-moi, c'est pas toi qui a déglingué mon truc? Non, j'ai pas de truc, c'est pas moi, j'étais en train de dormir. T'es sûr? Ouais, je te mets mon canon dans la bouche, vas-y. C'est toi qui a fait? Fils de pute, c'est toi? Je suis un baiser, moi, je suis un baiser, d'accord? Un putain de baiser. C'est beau comme ça? Voilà, la scène elle est belle. Il fait trop bien en vrai. C'était bien? Parfait. Vas-y, Oscar, vas-y. Vas-y, merci pour les conseils, les mecs. Ah ouais, c'était bon. Vas-y. Bientôt, Albin, enfin, White. Ouais, bisous. Vas-y, Phil.
Eh vas-y, Roya, c'est bon. Relève-toi, Roya. C'est bon. C'est dans la poche. Kafta ? Roya ? C'est... Roya, c'était dit cinéma, Roya. Tu peux te lever. C'est bon. Fragile, Roya, voilà. C'est... En fait, avec toi, ton problème, c'est qu'on peut pas rigoler, tu vois. 30 plus 30, ça fait combien, Roya ? Ça fait combien, 30 plus 30 ? Attends, la retenue. Ça fait 50. Roya, il nous manque des joints, là. Oh, putain. Oh, je vais les rafales. Roya, j'ai 60, c'est tout. Attends, c'est ton jamais, Roya. Toi, je te connais, t'es un petit filou. Wesh, t'as un zoubi... T'as 40, sale chien, va. Tu te fais maquer ou quoi ? Il a 40 joints ? Quel Algérien, wesh ? Je savais pas. Ah, ouah, ouah, hot dog, Desert Eagle, eh ben, mon vieux. Un zoubidou. Qu'est-ce que fait qu'une paire de ciseaux, sale chien, va ? Allez, hop, ça, c'est pour moi. Ah, mais non ! Je te connais, voilà. La hagra ça paye pas, Roya. Pas les cheveux, pas les cheveux. Mais non, c'est pas pour toi, Roya. Mais non, Roya, c'était tout ce qui me restait dans cette vie. Roya, c'est pour Albino, t'inquiète. Je te donnerai une paire. Donne-moi un double d'éclair, alors. C'est mon ami, là. Ils l'ont criblé de balles, ces bâtards. Il a pris... Oh, mon Dieu. C'est des bleus, ils sont venus, ils nous ont rafale, ces fils des pites. Est-ce que vous avez pu compter le nombre de balles et la localisation approximative ? Alors je refais. 1, 2, 3, je crois qu'il s'est pris 5 balles en vrai dans le torse, sa mère. Ok. Monsieur, est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes encore conscient ? Oui, je suis conscient ! Gardez votre force, d'accord ? Gardez votre énergie, parlez pas trop. Le mec, il a dit, il tire sur tout le monde sauf sur des ennemis. Voilà, je tirais sur les flics tout à l'heure. Je vais vous emmener à l'hôpital tout de suite, ok ? Oui, je crois que c'est moi nécessaire. Juste. Oui, oh, bye. C'est moi juste des pieds, le brancard. Ouais. Voilà, allez, je t'emmène à l'hôpital. Je vous suis à l'hôpital, madame. Et ils ont tiré sur Kefta ? C'est qui Kefta ? Oui, bien sûr, ouais, ils ont tiré sur Kefta, ouais. C'est moi. Quoi ? Si tu jures, c'est des bleus, ils sont venus, ils nous ont rafale. Ouais, c'est qui Kefta, man ? Bien sûr, ouais. T'étais là ? Non, mais je te raconterai, Nash, je te raconterai. Ah, t'étais là ? Moi, j'étais là, ouais. T'as vu les bleus, ces fils des pites, comment ils nous ont rafale ? Tout ça parce que je suis un gros bonnet dans la ville. Bah, tu sais quoi, après, je les ai recroisés, ils étaient trois. T'es mort, regarde, comme par hasard, regarde. Ah bah voilà. Alors, t'y vois ? Eh, t'y vois ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Ouais, bah attends, regarde, y'en a un qui va sortir en boitant. T'es prêt, regarde ? Celui avec la capuche. Oh, préférez voilà, regarde. Discuter tranquille, là, au lieu d'aider votre hermano. Préférez la kill, hein ? Parle-vous, seigneuresse. Non, pas toi. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, je fais l'arbitre, allez-y, je fais l'arbitre. Pff, on a couché des familles à From Drive. 1-0. C'est pas un 2 là ? Ouais, 3 contre 1, y'en a un qui boite. Moi je boite. Ah non, on a fait un partout. On a fait 1-1 maintenant. Oh là, il est là. Ouais, c'est pas... Non, mais c'est lui en fait. Ouais, j'ai argumenté, donné des trucs quoi. Argumenté ? Je les entends pas. Ouais, t'as sorti un point. On va passer demain à Forum. 2-1, c'est pas fair play. 2-1. Je t'ai dit, From Drive, putain, c'est Marabunta. C'est toi pour repasser à From. Ouais, crois-le, on vous a giflé deux fois ce soir déjà. Oh la vache, 2-2. C'est serré. C'est comme vous êtes très convaincu. C'est arrivé. Écoute, vous êtes arrivé à T'as frappé au point américain alors. On était 13, t'étais uno aussi. On t'a dit 1-1, t'as frappé au point américain, sa mère. Oh, vous êtes des comptables, les mecs, 13 contre 8, c'est quoi ça ? Vous êtes des comptables, vous faites des maths ou quoi ? Vas-y, je vais appeler ma chica, moi. Genre, t'as une chica, fais pas genre. Bien sûr. Ouais, je t'ai servi, toi. Bien sûr, j'ai une chica. Mais je te reconnais, toi. C'est toi qui m'as frappé au Bénise. Hein ? Si. Frappé quand, comment, à quelle heure, pourquoi ? Deux jours au Bénise avec toi. Ah, derrière ! Mais Roya, mais dis les termes, je t'ai pas frappé, je t'ai soulevé. T'as cogné le mur, bouah, t'as voulu me prendre en traître. Tu te rappelles ? John, tu te rappelles bien de sa tête ? Ah non, je me rappelle pas. Non, mais rappelle-toi-en la prochaine fois qu'on croise en dehors de l'hôpital, tu vas voir comment on va te monter en l'air. Tiens, t'as ma carte. Est-ce Mathieu, t'es mort. C'est bon ou pas ? Attends, je la montre à l'autre. Tiens, c'est une carte de merde qui te donne. C'est bon ? Mais tu crois que je porte pas mes couilles ou quoi, wesh ? Tiens. Regarde bien ma tête, hein. Fais voir. C'est bon ou pas ? Voilà, c'est bon ou pas ? Eh les gars, je travaille tous les soirs au Burger Shot. Vous venez quand vous voulez, je vous baise, c'est bon ? Bien sûr, ok, c'est bon, on va venir tous les soirs. Demain soir, maintenant, on va t'attendre. Parfait, nickel, je suis là, je serai là, parfait. Ce coup-ci, c'est bon, on sera 2 contre 1, tu verras. Mais là, vous êtes 3 là. Même 3, l'autre fois, c'est parce que t'étais 2 contre 1. Non, l'autre fois, ils m'ont pris à 2. Non, j'allais te blaguer tout seul. C'est qui l'autre ? Tobias Well, c'est pas... un congolais. Voilà, c'est... Okay. Les deux, c'est pareil. Ouais, Théma, il est venu pleurer et tout, ils m'ont frappé. Roya, c'est la rue, Roya. C'est la rue. On pleure non, pas ici, pas Roya. On assume comme des bonhommes, Roya. Il y a pas de souci, Hermano, mais il y aura vengeance. Il y aura vengeance. Tu feras pas Marabunta sans être puni. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks des Marabunta ? On va te ramener des grands du quartier, ils vont te faire les fesses. Je...
Des grands, oui. Tu mesures combien, toi? 1,80. 1,80, au moins. Et les grands, ils mesurent combien? 85. Au moins 1,92, au moins. Ouais, c'est des basketteurs ou quoi? Toujours quoi? Oh ouais, des marabouta, t'es à la NBA, hein. Là, on sort d'une cargaison, là. Un kebab ou quoi? Une tonne 5 de cocaïne, là. Eh, ouais, mais toi, tu sais pas à qui tu parles, en fait, hein. Je te jure, hein. T'es qui? Mais moi, je suis le roi de la ville, quoi. T'es qui dans le business? Je suis le neveu de Pablito Janez, les mecs. Vous savez pas qui je suis, hein. Pablito Janez. Ben, c'est ça le problème. Ben oui, ben oui. Vous sortez jamais de votre quartier de merde. Vous avez une vie de merde avec des sables de merde et des déglingous de merde. Et on va le canner, derrière. Non, non, écoute, c'est pas canner. C'est Canès déjà, d'accord? Prononce bien mon prénom, s'il te plaît. Non, on va te canner, pas de Canès. Tu comprends pas, Roya, c'est Canès, c'est pas Canet. C'est quoi ton problème? Canès, Roya, c'est ça. C'est comme Hermano. C'est comme Hermano. Ben Roya, ben maintenant, mais je t'ai passé ma carte d'identité. Tu sais qui je suis maintenant? Il va en parler au réfet, s'il connaît Canès. PDG du Burger Shot, Mathieu Canès, neveu de Pablito Canès, qui a été enfermé par la LSPD, chambre à gaz. Il a pris perpetuum skin, ils l'ont buté. Parce que c'était plus grand qu'Aïd Roya de Los Santos. Mais renseignez-vous, les mecs! C'est une victime, quoi. Vous êtes. Eh, passe demain à 22h, c'est bon ou pas, Burger Shot? Je vais rafale toi, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et tous tes ancêtres, c'est bon ou pas? On verra. Vas-y, on verra. Demain à 22h, on est. 22h, Roya, pétante Burger. Attends, prenez mon numéro, ça va être simple. Janez, le faux criminel. 67 93 09. Avec Pablito, je sais pas qui là, il invente sa vie. Eh, demain vous venez avec tout le monde, jouez tout le monde, d'accord? Vos c'est grands, vos moyens, vos petits, vos tout. C'est bon ou pas? On va te péter. Eh, je vous mange, c'est bon ou pas? Je vous mange. Bien sûr. Je vais pas se déplacer pour toi. Et demain, on va braquer ton commerce demain. Alors là, mon pote, avec le plus grand des plaisirs. C'est quoi, il y a des Japonais, ils m'ont braqué, d'accord? Ah, c'est un foiré. Ouais. Bah, les Japonais, maintenant, ils parlent chinois, mon pote. T'as capté ou pas? Tu sais que nous, à chaque fois, on a besoin d'otages pour une flicka, on va au Burger Shot, hein, on sert. On sait qu'il y a des salopes. Demain, 22h, c'est bon ou pas? 22h. Demain, vous allez m'épeler le mot respect. Si t'es pas là à 22h, le Burger Shot, je te jure, on va le cramer, hein. Frère, mais là, tu crames le Burger Shot, serait que c'est vous, j'arrive, je brûle ton quartier. Bien sûr, nous on se cache pas, seigneur. Moi non plus, je me cache pas. Je brûle ton quartier, c'est bon. Fais la queue comme tout le monde, toi. Et nous, Ranez, on fait des vraies menaces, on fait pas des paroles en l'air. Mais on a une parole, on la tient. Je fais des vraies menaces, je m'en bats les couilles. J'ai plus rien à perdre, moi je suis un déglingo dans ma tête. Hein, tais-toi, toi, attends-toi comme tout le monde. Tu vois pas qu'on est en train de s'embrouiller avec des gros? T'as cru que c'est le docteur? Wesh, va à l'unicorne, va taffer un peu, wesh, t'es sérieuse là? Sérieux ou quoi là? Non, je rigole, c'est pour ça, tranquille. Ah ouais, bah moi aussi je suis une gangster, faites attention. T'es une gangster, toi? Ah ouais? Demain, 22h, Burger Shot, tu te soulèves, c'est bon ou pas? Viens avec tes grands, tes moyens, tes petits, je m'en bats les couilles. Oh, regarde, t'as pas de muscle, t'as rien du tout. Ouais, j'ai pas de muscle, mais regarde ce qu'ils ont montré. Je te soulève, je te frappez-vous maintenant. Le truc, je vais frapper une meuf. Tu fais victime le caïd de je sais pas quoi là. Le roi de la ville. T'es moi, connard boiteux, ferme-la, ouais, je t'ai sérieux depuis tout à l'heure, t'es en train. Il y a deux petites filles qui essaient de se faire là. T'as une camé ou pas? Ah, mais je te reconnais, c'est pas Rachida? Rachida est de quel âge? Voilà, c'est Rachida. Les gars, c'est bon, j'ai gris, c'est Rachida. Rachida, c'est Daniela. Voilà, elle fume une chicha et tout, elle se prend pour une beurette, laisse tomber, ouais, je m'en sais pas ça. Ah, Allah, je prends une beurette, je suis une reconvertie. Commence pas à ouvrir ça. Celle-là, c'est les pires. C'est seigneur. Les dans les dents encore qui parlent. Ah ouais, d'accord. Parle bien des femmes, toi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Wesh? 22h, demain, Burger Shot, soulève-toi, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère, c'est bon ou pas? Ouais, 22h. Bah, tu sais quoi, viens vers 22h15, que je te soulève le temps que je soulève eux. Viens 22h02, non, mais si je te soulève, je t'explique, tu vas pas te relever, je te le dis. Wouah! Vas-y, tu fais du sol? Oh, c'est une caïd, elle. Tu fais du sol? Vas-y, c'est quoi ça? Mes amis les Marocains m'ont montré comment faire. Mais je suis Marocain, oui, je t'ai sérieuse. Ah bah, c'est mes amis en plus. Ah ouais. Finir aveugle, je te le dis. Demain, vous allez m'appeler Senior. Senior. Senior Janez. Don Janez. Demain, vous allez m'appeler Don Janez. C'est bon, pas? Est-ce que c'est un peu la cahier, tu vas voir. Demain, voilà. Comment on dit dans ton pays, Haggar, on va t'appeler. Chinois, la cahier? Chinois, la cahier. Don Haggar. Mais ramène une équipe, hein, parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Roya, je travaille tout seul, trop que j'ai besoin d'une équipe, moi ou quoi, wesh? Ramène toute ton équipe du Burger Shot, je suis un tueur à gages, moi, les gars. Je suis John Wick, tu connais ou pas? Je connais John Wick, c'est pour ça que t'as habillé comme une militaire. Exact. Un tueur à gages. Ouais, mon pote, t'as capté. J'ai fait la Légion d'honneur, mon pote, la Légion étrangère, j'ai tout fait, moi, Roya. Regarde ce que j'ai. Franchement, regarde. Quand tu me regardes, tu vois quoi dans mes yeux? Je vois du vide, voilà, Roya, mon âme, elle est vide, Roya. Je suis un baiser dans ma tête.
Eh ouais, les gars. Tu as une petite barbichette là. J'ai un regard d'anguille, Roya. Je suis mort à l'intérieur, les mecs. Je suis mort à l'intérieur. On va la cuisiner, l'anguille. Vas-y, tiens, tu me fais pitié, toi. Tiens. Casse ouais. Il fait quoi, ton Armano? Il s'est pris des barres, ok. Roya, donne juste ma tarte. Voilà, tu vois, tu m'as donné. Tiens, toi. Tiens, Rachida, viens. Tiens, arrête de faire la belle, wesh. C'est bon, wesh. Pourquoi tu fais la belle comme ça? Ah, maintenant tu veux encore une. Vas-y, dégage. Pourquoi tu me soignes? Allez, vas-y, je C'est bon, j'en ai plus. Oh, allez. Quoi? Mais toi, je vais te rafale, toi. T'es fait rafale. Pas rien rafale, je t'ai dit, je vais te goumer, fais attention. Oh là, hey, je te jure, hey, je crois que je vais vraiment la rafale. Hein. D'habitude, je tape pas les femmes. Hein. Mais elle, moi, je crois que je vais la rafale. Pas, mais moi, on m'appelle Undertaker, donc t'inquiète pas. Moi, c'est sûr que la cigale te bouffe, elle te tape. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu viens faire la maline. Je rigole pas avec toi, vraiment. C'est toi, tu joues le malin avec moi, ok? Tu me connais pas, fais viens, attention. Viens, parking. Attention, viens, parking. Viens là, wesh. Au lieu de courir comme une princesse là. T'inquiète pas, la princesse, ça va te montrer. Elle sait même pas descendre. Ouais, je t'ai mis deux heures, wesh. Je suis une princesse. Putain. Laisse-moi mettre mon bandage et tu vas voir. Vas-y. Mais... Toi, t'es une princesse, toi. Tu fais quoi, t'es une princesse, toi. Je suis un fou, je m'en bats les couilles. Je te jure, tu vas avoir un crâne aérodynamique, sa mère, je m'en bats les couilles. On se tape pas la main. Je t'ai dit, je suis un déglingo, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu voulais faire la boule à Z à qui, là? Oh non. Tu vois, t'es belle, là, comme ça, tu vois. Vas-y. Putain, mais dans c'est bon ou pas? C'est bon ou pas? C'est bon ou pas maintenant? Tu vois? Tu fais la belle là, je sais pas quoi là. Putain. Ça me dégoûte, wallah. Je te le dis. Je comprends pas, t'es ton pas langage, wallah, t'es bizarre. Ouais, allô? Théo! Je suis à l'hôpital! Je suis là. Roya, je viens de raser une meuf, t'es moi, elle a mis le hijab direct. Qui? Elle a dit. Les meufs là. Oh là, elle avait des cheveux. Dans la merde. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle t'attend, Roya. Non, elle attendait le médecin. T'es sûr? C'est vrai ou quoi, Roya? Ouais, ça va être en Roya. Non, mais je l'ai dégommé dans le parking, Roya. Bon, alors... du coup, je me retrouve avec des broches. Je me retrouve avec des médicaments à prendre. Oh, madame Hijab! Ouais, viens là, wesh. Wesh, enlève ton foulard. Salam alaikum. Non, c'est bon, ça ira. Viens, enlève ton foulard. On va passer de Daniela à salam alaikum, Roya. Mais vas-y. Ah, c'est Daniela, la marocaine Fatiha là? Vas-y, viens, on te dépose. Ah, ça va, Fatiha? Non, ça ira, vraiment, merci beaucoup. C'est toi même, t'étais dans une flica, on t'a braqué là, c'est toi. T'es fou? Bah oui, c'était moi. Pourquoi tu fais blague? Tu vas faire quoi? Attends, tu vas faire quoi? Bah viens, on va te la donner, viens. Ouais, c'est une blague ou quoi? J'essaye de vous contacter depuis un siècle. Ouais, tu mens, c'était il y a 3 jours. Pourquoi tu marches comme Lara Croft? T'es bizarre là. Moi? Je suis Lara Croft. Non, pas toi. Oh, non, mais sérieusement, rends-moi mon arme. Bah, t'la, monte dans le coffre. Le coffre, il est devant. Il m'a fait la boule à Z en plus de ça. Vas-y, monte devant. C'est quoi cette histoire d'arme de drogue que tu lui rends? Je sais pas, on a fait un braquage l'autre jour et je sais pas, c'est inventé une vie. Ouais, du coup, on va. Du coup, là, on va tout en haut, on la braque et voilà, on a que ça à faire. Hein, donne-lui un joint. Mais Sahabé, tu vas me rendre mon arme et. Tais-toi, t'es dans le coffre, t'es pas en condition de parler, Roya. Voilà, tu peux pas parler, ouais, j'étais dans le coffre. Faut pas parler, on se rend temps. Truc de fou, là. Abusé. Ces meufs, elles sont dans le coffre et elles parlent, là, c'est énorme. Je te jure, non, mais n'importe quoi, allô, quoi. Viens, là, dans nos familles, on dit. Vas-y. On les familles et tout. Ouais. Attends, je les appelle. T'as vu la peur? Non. Attends, Herman là? Oh, elle est puissante, hein. Eh, remonte, sinon je te rafale, remonte. Remonte ou je te rafale? Non, mais je veux pas de problème avec les families. Mais t'auras pas de problème, remonte, c'est toi. Parce que je veux pas de problème, moi, avec les gangs, là. Mais des problèmes avec qui? Tu veux des problèmes avec qui? Personne, je veux juste mon Beretta et mes 20 pochons. Ah bah justement, on va leur parler. Je veux des problèmes avec personne, je veux juste vendre de la drogue. Attends, tout à l'heure, tu faisais la folle, la cage aux folles dans l'hôpital, là t'es en mode blé, là vous êtes de. T'es arrivé quoi? Et alors, même tout à l'heure, tu sais, j'étais déglingué, wesh. Ouais, bah moi, tu me comptes pas, moi, je suis mort, moi. Ah bah vas-y, ressors, je te défonce ta gueule là. Ta gueule. Eh, je connais un mec qui vend des P7, si tu veux, des armes. Moi, je veux mon Beretta et mes 20 pochons que vous m'avez pris. Beretta il est parti en Norvège, on l'a revendu, c'est ça, fini ça. Il est parti en pièce détachée dans le Darknet. Hein. Pièce détachée, Darknet, plus de numéro de série, plus rien. Remonte dans le coffre. Oui, surtout que t'as pas notre numéro. Remonte dans le coffre. Beretta, on va le ramener à Beretta, quoi. Eh les mecs. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va et vous? Ouais, tranquille, ça fait quoi là? Ça fait rien du tout et vous?
Écoute, écoute, tu fais quoi dans la vie? Agent immo. Si je te vends un être humain, tu me l'achètes combien? Je vais aller par là-bas. Attends, mais reviens, elle fait 75 kilos, elle est bien en chair. C'est bon ou pas? Tu prends? Ouais, non plus, non. Je te présente la marchandise au moins. Bah vas-y, vas-y. Vas-y, viens, viens, on fait ça sur le parking, viens. Dis quoi, je te présente la marchandise? Ouais, ouais, on va lui vendre un être humain, croyant. Bah, magnifique, là on est bien. Allez, sors. Sors, on se trompe pas. Eh, tiens là, on joue. J'ai pas de cheveux, je suis... Alors voilà, un magnifique modèle tout droit venu du Maghreb. Kefta, enlève l'emballage. Vas-y, enlève. J'enlève l'emballage, allez hop, c'est enlevé. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est de la belle cam. Voilà. Vraiment, c'est de la belle cam. J'ai enlevé maintenant, je l'ai enlevé. Voilà, vous en pensez quoi? Franchement. Ça se vend bien ça? Ça se loue bien ou pas? Ça se vend ça? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, rachetez-moi. Ça se vend combien ce truc? Non, viens. Là, franchement, allez, en vérité, pour 50$, je te la vends. 50$? Ouais, 50$. Parce qu'en fait, elle a perdu ses cheveux, elle a perdu de la valeur. Elle vaut pas autant, 40$. Vas-y, 40$. Enlevez ma dignité, monsieur. Elle est claquée, 40$. 40$. Bah écoutez, je vais faire de l'argent, je vous l'achète, moi, y'a pas de soucis. Bah vas-y, bon, on fait comme ça alors. Nickel, 40$. Je suis une frappe atomique, madame, avec tes cheveux. Elle est claquée au sol. Vous en faites ce que vous voulez. Bah j'arrive. Vas-y. T'as un joint de culasse que tu la revends banal. Ah madame, donne-moi des billets pour la mosquée s'il te plaît aussi. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Eh madame, je construis une mosquée s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ramène mon Beretta et mes 20 pochons, madame, je construis une mosquée. T'as pas honte? Mais toi, quoi? Mais wallah, tu viens de quelle planète toi? Pourquoi? Mais toi, il faut t'apprendre la vie de A à Z, hein, wallah. Bah explique-moi, c'est quoi la vie? Mais putain, mais la vie, mais c'est pas ça la vie. La vie, t'as 40 ans, t'as une tête de vieille, tu poses cette question. Ben ouais. Donne ton numéro, on va t'apprendre la vie demain à 22h Burger Shot. Non, je suis pas disponible demain. Je m'en bats les couilles, donne ton numéro. T'en bats les couilles. Tu mets Beretta, 20 pochons. Eh, j'ai mis Rachida 40$. Ouais, c'est tout ce que tu veux. Comment ça? Je mets mosquée aussi ou pas? On met mosquée aussi dans le numéro? Mais donnez-moi de l'argent s'il vous plaît pour la mosquée. Elle va donner l'argent. Allez, en construction. Elle va te donner, t'inquiète. 40$ madame, elle est à vous. 40$, tenez. 40$. Dégage, crevard, dégage. Ouais, je dégage. Voilà, merci, c'est gentil. Et bah, vous en faites ce que vous voulez, hein. Franchement, elle est à vous maintenant. Ah, voilà, elle est à vous. Hein, allez, salut les rennaises. Vous avez sauvé une vie, hein. Franchement. Merci, vous madame. Allez au paradis. Hein. Faites gaffe, elle est mort. Elle est mort, attention, elle est mort. Elle allait finir sur le trottoir, celle-là. Regarde, 40$, je suis devenu un Mac. Ouais, j'ai plus de cheveux, mais ça va. Voilà, je suis devenu un Mac. Nouveau business, regarde. Mais ça, tu peux le mettre dans ton CV, t'es au courant ou pas? Bien sûr, on peut. Eh, j'ai vendu une meuf chez les Families. Voilà, 40$, en vrai, on a fait un bénéfice de fou.